la voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir. Et une autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole et haïtien. Donc, merci d'être branché à le ça. Donc, nous, quelques grands points cap dominé actualité. Il y en a pour cap dominé actualité. C'est pays d'Haïti à Paris pour recevoir un nouveau contingent. Il y a un groupe de policiers jamaïcains qui t'a supposé entrer dans le pays à côté pour le rejoindre. Et 380 policiers pays Kenya qui y ont même déjà sous place dans le cadre de mission multinationale maintien sécurité dans le pays d'Haïti. Et puis, et l'autre point dans l'actualité, il y a une confrontation qui a été faite entre l'ancien directeur BNCA, en parlant de M. Raoul Pierre-Louis, avec trois membres CTPA. Qui yon même et en bas accusation de ce que yon ta mêlé nan corruption. Et avocat M. Pierre Luyo fait connaître que li même li pap pralé tout le temps M. yon pa démissionné. Quel est le grand point cap dominé actualité? Et Jamaïcain a rejoint un policier pays Kenya yo, mission multinationale. Pour appui sécurité en Haïti. Toujours dans le pays d'Haïti, avocat ancien président BNC Raoul Pierre-Louis bout des confrontations qui te gain pour te fait BNC Raoul Pierre-Louis bout des confrontations qui te gain pour te fait entre client nan ak trois membres conseil présidentiel transition qui en bas accusation corruption. Activité électorale aux États-Unis gagne un gros course garçon ak fi dans élection présidentielle qui gain pour dérouler 5 novembre nan entre Kamala Harris ak Donald Trump. Et puis Pérou décrété 3 jours de deuil national après la mort ancien président Alberto Fujimori dans Lima. Il était gain 86 ans. Donc il y a quelques problèmes techniques qui arrivent là qui empêchaient que nous tendre grand point cap dominer actualité a et bien ici aux États-Unis et bien c'est toujours activité électorale mais gon course cap fait pour qu'on ait et bien entre garçon et femme qui est-ce qui yo même cap plus déterminant dans yon victoire pour élection qui gain pour dérouler 5 novembre et cap vini là. Donc, tant qu'on te dit, confrontation pas réussi faite et entre dans ULCC entre trois membres CTPA qui ont même eu une accusation corruption et avec Monsieur Raoul Pierre-Louis qui est ancien directeur BNC. Eh ben avocat lui dit que eh ben faut yo goumé à même quantité zam parce que monsieur ça yo même yo toujours chef yo c'est membre conseil transition et conseil présidentiel transition alors que lui-même yo t'est retiré dans fonction il dit que convocation ULCCA qui invité Raoul Pierre lui dans un confond toujours gagné un problème technique n'a pas gagné pour nous établir contact avec Port-au-Prince pour nous connaître qui gens est-ce que mon arrivé nous pourrons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince sous scandale BNCA LCCA qui invitait Raoul Pierre-Louis dans une confrontation avec conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Onad Fontaine. Avocat voit ça comme une mise en danger pour dénonciateur. Dans le contexte, avocat a jugé inapproprié pour exiger une telle confrontation, d'autant plus que conseiller présidentiel en question est toujours en poste, ça qui est capable de porter atteinte à l'intégrité du processus de la justice. Là. Avocat Raoul Pierre-Louis a demandé pour conseiller qui a une accusation sur lui démissionner immédiatement pour permettre une enquête sans fausse côté et garantir la sécurité client. Il estime tout conseiller ça yo pas qu'à invoquer présomption innocence pour capable kembe tête yo en fonction parce que ça risque nuit à crédibilité investigation qui en cours. A fait ça, il a déjà secoué plusieurs secteurs politiques, notamment parti aidé qui a traversé une crise en interne. Accord 21 décembre, qui joint support certaines fractions, mais lui-même tout l'a fragilisé. Dans l'intervalle, il y a une solution à ce problème. Ça, gagne des partis, tant que Petite Dessalines, qui demandait plus de temps pour être capable de prononcer. Dossier corruption continue à faire actualité, ça qui révélait tension dans mitan institution politique pays d'Haïti et qui mettait en lumière défi persistant qui lié à impunité et corruption à haut niveau en deux pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Merci Yves Manuel, toujours sous même dossier. Acteurs politiques haïtiens yo apton sans perdre du temps. Résultat enquête ULCC a mené sous scandale corruption qui impliquait 3 membres Conseil présidentiel transition. Nous gain sous place n'importe Port-au-Prince ou dans Toussaint qui lui-même a dit nous plus de dossier ça. Donc on a Toussaint et lui-même l'a gagné pour parler plus de dossier ça. Fon dit tout que nous-même pas bon ici, nous te recevoir et en parlant de France Duval, mais avant d'aller à France Duval, nous pas rejoindre Renan Toussaint. Une institution importante que tout yeux braqués sur lui par rapport à l'enquête l'a mené sous dossier scandale corruption qui impliquait 3 membres dans conseil présidentiel transition. C'est Unité Lutte contre Corruption ULCC. C'est une démarche qui provoquait un pile controverse dans mitant acteurs haïtiens, parmi eux Evans Jean, qui est président structure Connecté Haïti, captain résultat enquête là. ULCC, dans un peu de temps, il a délivré un résultat en fonction de l'enquête qu'elle menait pour le prouver avec Nation et avec l'autre instance qu'il a pour prendre des décisions. Est-ce que monsieur yo participé ou du moins yo gon cob ki nan men yo ou yo trempé nan yon quelconque corruption nan pran l'argent nan men président et nous capable di conseil BNCA. Maintenant et connecté Haïti li pa la justice li pa ULCC mais li se nous capable di société a attend nos résultats même gens connecté attend yon résultat. Bon côté parle, met Valérie Dutré-Jacques qui fait partie bloc équilibris pour yon sauvetage sur à COVID 1 décembre qui prend naissance 9 septembre 2024 pour synchroniser intérêt bloc yo dans l'idée pour redorer blason tout acteur 21 décembre yo dit y a assumé responsabilité yo par rapport à dossier ça. Et c'est le droit qui l'ont triomphé, c'est pour une enquête sérieuse qui pour permettre que lumière capable jaille. Pendant que 21 décembre, la prend responsabilité li, sans état d'âme, aux yeux bandés, pour lui capable faire que lumière jaille parce que son dossier qui pratiquement qui mettait la République en état. Et toute option sous table, parce que je dis à ces pays la pensée, ne pas qu'à penser pays sous bas de sentiment, sous bas de chapelle, mais de penser pays avec une dimension homme d'État et de femme d'État qui pour permettre que nous retirer pays en otage par rapport à contexte, par rapport à dossier ça, qui bloquait tous différents chantiers transition. Or, transition ça, son transition qui doit réussir par rapport à problème que pays a gagné là. Je dis à maman, papa, petit. Par contre, qui j'en pour faire pour vous et petit de l'école? Il y a libre circulation qui pas garantie. Bref, son pays qui gagne pile problème et transition ça, t'a dû mener pays vers normalité, vers des élections libres, honnêtes, inclusives pour doter pays à de nouveaux personnels politiques. Trois personnalités dans le conseil présidentiel transition qui indexé dans le scandale corruption. C'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire et Smith Augustin, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, c'est un dossier que nous avons suivi pour parce que toujours gain un pile rebondissement dans la question. Ça, nous prenons dans Port-au-Prince, côté nous prenons rejoindre Massiado Vilme, qui trouve dans Port-au-Prince, côté Port-au-Prince a accueilli un nouveau contingent, un nouveau groupe et policier jamaïcain. Massiado, qui s'est passé? Oui, Massiado, dis-nous non, qui s'est passé? Est-ce que, effectivement, policiers jamaïcains ont entré dans Port-au-Prince? Justement, Jacques Lévelisé, tant que ça a été annoncé, eh bien, il était environ 4 heures. Là, il y a un avion, un gaz-pot américain lui-même, il était débarqué sous l'aéroport de l'ouverture. Eh bien, comme nous sommes dans le premier contingent et pays jamaïque lui-même, employé dans le cadre de mission multinationale, soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti, comme nous sommes, c'est environ 24 policiers militaires eux-mêmes qui débarquent dans un premier troupe si là et parmi eux il gagne deux policiers militaires et pays Belize qui viennent tout dans troupe et dans troupe si là Jacques Belize. Donc est-ce que il y a une cérémonie qui j'accueille la fête et qui je sais?
justement parce que nous c'est chez la police là et Domine Rameau accompagné ensemble avec le commandant en chef mission Otenke, c'est eux même qui étaient là pour venir accueillir et tout ça là gagner tout et quelques représentants ambassade américaine que nous étions capables de remarquer et tout dans l'espace là pour être capable vraiment accueillir monsieur pour qu'on y a juste à date nous toujours sous ta marque aéroport tout c'est l'ouverture là gagner comme c'est passé salutation qui a fait entre et policiers pays Kenya ensemble avec policiers et bien militaires et pays Jamaïque dans moment n'a pas là ensemble voilà là j'ai fait. Et qui a couverture là? Donc, un pays journaliste étranger, haïtien, qui a couvert et arrivé ça? Oui, j'en dis, il y a plusieurs journalistes qui sous place, qui a couvert l'événement là. Comme nous disons que c'est vrai, c'est le premier contingent que le pays Jamaïque lui-même, Libo, ici en Haïti, puisque nous connaissons nos jours passés, puisque nous connaissons nos jours passés, Premier ministre du pays Jamaïque, là, n'a parlé de Andrew. Lui-même, il a fait connaître 200 policiers ou bien 200 policiers avec militaires et Jamaïque a gagné pour voyer dans cette mission multinationale-là. Mais pour aujourd'hui, c'est environ 24, dans 24 là, nous avons gagné tous des policiers pays Belize, policiers militaires pays Belize qui là. Mais selon l'information qui t'arrive de nous, policiers pays Belize, eux-mêmes, ils sont là pour être capables de faire atteinte pour qui t'a venu dans. Merci Massado Vilmé. Massado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui tapait par les noms de arrivée policier Sayo qui sorti dans le pays Jamaïque et d'après information que le banon, eh bien parmi policier Sayo gagnent et deux policiers qui sorti dans le pays Belize, c'est première fois tout que eh bien gagnent policier qui pas de nationalité pays Kenya qui rejoint une mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Donc, et dans le moment, on a parlé là, il y a pratiquement trois nations. Il y a Kenya qui est en tête mission, et puis il y a tout et pays Jamaïque qui voit les policiers, et puis il y a Belize qui voit tout. L'autre point d'actualité, aujourd'hui, on a recevé et visite rédacteur en chef, le nouveliste Franz Duval, qui souhaite participer à nos réunions, Banque interaméricaine développement. Il a été abordé plusieurs et gros dossiers avec nous, notamment crise économique dans le pays d'Haïti, avec considération sur loi qui est le Hope Help, là, et Franz Duval. Que nous parlons d'avancement pays, avancement économique, il faut que le problème de sécurité à résoudre. Même dans la réunion, ça a fait quelques mois après que la commission multinationale d'appui à la sécurité a déployé. Alors, dans la réunion, qui n'a pas fait avant? Est-ce qu'il faut que l'économie vive toujours ou est-ce qu'il faut que la sécurité a établi net? Alors, il faut faire tous deux. Il faut essayer d'établir la sécurité, je dis bien essayer parce que pour le moment, on n'a pas réussi. Pour le moment, pour que j'en ai une grande victoire, je vais dire que la force sécurité est faite, mais en même temps, il faut quitter l'économie en moins net. Parce que l'économie, on essaie de choc la paix là. Sous quitter le monde net, on ne peut pas réanimer. Il faut continuer avec mon petit espoir, et mon petit espoir, ça, c'est aussi à voter loi HOPE et là. Son espoir lié, c'est bon solution, mais son espoir lié. Mais effectivement, question sécurité, il te parle de tout, tout le monde reconnaît que faut bon. T'as qu'à dire des résultats concrets. Mm-hmm. Parce que le bail qui manquait depuis que le gouvernement CPT PM connu en place, il n'y a plus de parler de fait, pas non plus de résultats de bail. Franz Duval, c'est rédacteur en chef, le nouveliste dans le pays d'Haïti. Donc, suivez la programmation parce que nous avons pour diffuser l'intégralité. Interview ça à côté que nous abordons plusieurs points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ou sous VOA Créole. Merci d'être branché dans le moment ça. Merci d'être que vous été branché. Actualité à actualité internationale. Nous prenons l'actualité électorale ici aux États-Unis. Dans un moment, gagné un écart entre électeurs garçons. Ak fio on écart cap élargi aux États-Unis. Est-ce que mesdames yo pral aider Harris remporter la victoire? C'est ça Sandra Le Maire a pral garder avec nous dans programme ça. Depuis 1984, plus filles passé garçons voté dans élection présidentielle américaine yo. Et pour plus fort, yo voté plus pour démocrate passé républicain. Entrée sans attendre vice-président Kamala Harris dans course là après président Joe Biden by vague, semblait by groupe électeur ça j'arrête.
We have seen a pretty significant shift. Nous constatons un gros écart parmi un pile démographique, mais surtout mesdames, qui ont plus de chances qu'on y a pour voter pour démocrates qui n'ont pas de ticket parce que j'en étais avec Biden. Année électorale, ça a à peu près une sur cinq femmes dit droit pour faire dilatation. C'est question clé. En 2022, juge Cour suprême que président Donald Trump t'a nommé aider éliminer droit constitutionnel pour filles jetées petites. Trump voulait pour chaque État décider pour contre. Harris voulait loi fédérale pour protéger droit pour mesdames faire avortement tout partout. She's trying to create a world where les dit la PC créer un monde côté moun gen droit prendre décision pour gérer yo choix pa yo loi femme. Les dit moi un message li représenter peuple là qui c'est classe moyenne classe femme et puis loi sous loi femme. Laws about women's rights. Parmi électeurs femmes, dernier sondage indiqué Harris devant Trump par entre 9 à 13 points. Gain a lot of younger women. Les ramasser en pile jeune femme qui est indépendante, qui gagne moins que 50 ans, en pile gagne moins que 40 ans, et au comptant à candidature. Who really got excited by her candidacy. Black women are a lot more likely to vote for Harris. Les femmes noires ont plus de chances pour voter pour Harris que les mesdames Pagnolio. Donc nous voyons les plus populaires à groupe racial précis ou bien électeurs qui éduquent eux, qui ont plus de filles qui appuient et ça cause des changements. Électeurs Sayo, non Georgie, avec Montana, appuyaient Donald Trump. First, Lizzie, premièrement, le fait Harris s'est candidat, c'est un bagage horrible pour moi parce que il n'est pas paré pour le président. First of all, she's not prepared to be president. For months, we would barely ever see Joe Biden. Lizzie, sans attendre, Kamala Harris vient candidat présidentiel démocrate là, alors que il pas tapé le nom même du tout. Il paraît sous nous comme ça. Parmi jeunes gens, Gen Z, majorité garçons qui ont moins que 27 ans, favorisé Trump d'après son 10, David McLennan. There has been an increase in terms of the admiration of some Gen Z young men for swagger. C'est un gros macho. A macho punch him in the face kind of thing. McLennan dit, jeunes messieurs socialisés sous politique, mais en ligne, côté autant des opinions négatives sous leader familial. So they believe that women can't make the tough decisions. Il dit que les femmes pas qu'à prendre quelques décisions difficiles, par exemple si les États-Unis étaient obligés de faire la guerre ou bien faire face avec une crise internationale. Il n'y a pas que mesdames qui prennent des décisions difficiles comme ça. Make the tough call. Mesdames Blanchiot a joué un rôle clé dans la victoire Trump en 2016. Majorité femmes Blanchiot a voté pour lui en 2020 tout. Dans le coup ça, dernier sondage a montré Harris et Trump égal égo parmi mesdames Blanchiot. Reportage Dora McQuarrie, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. Toujours dans l'actualité internationale, après un débat bouleversé à gros manifestation qui a fait responsable déplacer rencontre Sénat mexicain, approuvé une proposition qui fait gros parler en pile. Président sortant, en parlant de Andrés Manuel López Obrador, eh bien, il fait pays à tourner, premier pays dans le monde là qui permet électeurs et les juges. Gentil Augustin Junior. Manifestation yo continue dans capitale la Mexico. Après Sénat fin adopté yon réforme dans constitution qui fait parole en pile. Côté Mexique, c'est premier pays qui permet citoyen yo élu juge yo et gen nan juge sa yo ki nan Cour suprême nan. Malgré avertissement comme quoi ka gen attaque ki la cause système justice la perdit nan indépendance li. Se emitieron un total de 127 voix, 86 en faveur document, 41 contre lui et tout sénateur yo té voté. Ça qui té bay majorité qui nécessaire pour approuver projet loi. Plusieurs centaines manifestants envahi building Sénat mexicain madia comme protestation contre réforme tête chargée qui fait dans système justice là. Que président sortant zèle gauche Andrés Manuel López Obrador Tevli. Président dit, vamos a... nous pral pousser pour pi devant dans Mexique. Et puis, nous pral bay tout monde là yon exemple après nous plus que démontrer que système justice là pas bay justice.
li te kontinye pou di. Los jueces con honrosas excepciones. Jiz yo, eksepte kek jiz respektab, magistra yo, minis yo, apsevi yon minorite rapas ki lage tèt yo nan piye peyi ya. Reform sa ap mete tansyon nan Meksik, menm kote manifestasyon yo, fèt chak jou depi plizye semen. Alejandro Flores, yon employe servis judisye Sonara di. La gente no apoye esta reforma. Sitwayen yo pa sipote reform sa nan kondisyon ke gouvenman te propose li ya. Se pa ke sitwayen yo vin radikal, yo selman mal informe paske an pil moun pa konen tout detay sou koman sistem jistis la fonksyone nan peyi nou an. Plizye dizen manifestan te rassemble devan Senat mekredi pou proteste kont aprobasyon lwa san nouvel yo pa rapote oken insidan. La jistis pa pral tombe, li pap tombe, se sa manifestan yo tap chante. Pami yo, si tou otorite nan la jistis yo ak etidyan la lwa yo. Detye nan Senat, ke pati ki sou pouvoi Morena alye li yo domine apouve dokiman. Kounye ya, proje lwa ap tann aprobasyon palman yo nan au mwen 17 eta. Sa, ki pa semble pral bay problem paske Morena kontrole plis pase detye nan palman sa yo. Moun ki kontre reform nan, kweke li pral febli independans jij yo. Epi, fe yo feb devan presyon soti nan krim organize. Janti Augustin Junior, VOA Creole, Washington. La pote toujours dans région Amérique latine côté Pérou décrété deuil national après la mort ancien président Alberto Fujimori dans Lima. Marie-Louis Pierre, quel détail. Alberto Fujimori, héros national. Alberto Fujimori. Ancien président Pérou Alberto Fujimori qui était dirigé croissance économique pendant l'année 1990, mais qui en après, il était mis dans la prison pour abus de monde qui sortit dans la guerre qui était fait en pile sans couler contre Bel Mauricio, mouri mercredi 11 septembre, il était gagné 86 ans. Collègue Procho a visité le Pi Bonheur dans la journée, il était rapporté qu'il était dans une condition critique. Après une bataille longue à cancer, papa nous fait partie à rencontrer Seigneur. D'après sa petite fille Keiko Fujimori, a écrit dans un message sur X, l'autre timon ancien leader a signé. Médecin Fujimori José Carlos Gutiérrez dit Ingénieur Fujimori mourit avec cancer dans la langue, c'est diagnostiqué. Il mourit avec une condition que a été diagnostiquée dans le mois février et le mois mars année ça. Il mourit avec complications à cause de maladie et puis effet secondaire traitement que l'il a recevoir pour un monde qui gagne 86 ans. Fujimori, ce petit garçon immigrant japonais, c'était chancelier de l'université agriculture. Il était élu dans le bureau dans l'année 1990. Il était bien vite établi tête-lit comme un politicien malin, bien style pratique, qui était bas résultat même lorsqu'il était fâché contre critique parce qu'il était concentré pouvoir. En pile, partisan Fujimori qualifié comme un héros national. Mais un partisan Fujimori dit Je sais que millions et millions de Péruanos. On connaît plusieurs millions de Péruviens. Sous la côte, ak monyo ap kriye, jounen jodi a. Li chanje l'histoire ak destin Pérou. C'est ça d'ap surmonter jodi a. Défunt Fujimori te fait nan Lima, un jour indépendance Pérou, nan date 28 juillet 1938. Li mouri à 86 ans. Marie-Louise Pierre, VOA Creole. Actualité ap mene nou konya nan région Moyen-Orient, côté à la tête commission droit monde nan l'ONU, Volker Türk déclaré lundi a que c'est une priorité absolue et les urgent pour mettre fin nan la guerre nan Gaza et puis éviter un conflit régional total. Serge François Michel. We know that wars spill over. Nous connaissons la guerre qu'on débordé Kadio et qu'on traversé dans la génération qui a venu et consolidé plusieurs générations raïssement si pas qu'une solution pour cause qui n'enracine yo. C'est ça Turk dit dans une session au Conseil droit monde dans Genève. Il dit c'est triste pour me dire la guerre Gaza, c'est un exemple qui n'en sent causé n'a pas les là. Turk soulignait Jean attaque Hamas sur Israël, là t'es terrible et ça qui est terrible encore d'après lui c'est déplacement 1 900 000 monde dans Gaza. Et puis Hamas qui kembe en otage joukouni la 101 Israéliens dans Gaza et puis qu'aucune opération tout le monde et puis détruit toute bagaille dans Cisjordanie et tout ça
C'est une situation calamité qui a vint plus grave. L'armée Israël a rapporté lundi, les lancé attaques pendant la nuit sur quelques buildings et sur site lancement militant Hezbollah qu'on utilisait dans le sud Liban. Dernier laissé frapper sous deux bords frontières en deux camps qui soulevait crainte pour la guerre, pas tourner un conflit régional pillage. L'accueil voisin en Syrie, Média l'État dit lundi, quelques frappes qui semblaient assortir dans le camp Israël, touillées pour petit 14 personnes et blessé 40 autres. Frappes et visées sites militaires en Centre-Syrie, d'après rapport. C'est rarement Israël parler sur attaque li fait en Syrie. Côté li dit, li pas pour permettre l'Iran gain présence en Syrie, qui c'est une route clé pour voyer les armes iraniens aller joindre Hezbollah dans le Liban. Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu a sémanté dimanche là pour lui continuer la guerre contre militants Hamas dans Gaza. Pendant le conflit, il a entré dans le 12e mois. Li. Côté li dit, pays li gain une idéologie assassin qui gagne en tête li, c'est Netanyahu relé. Axe méchanceté Iran qui encercle. États-Unis, Qatar et Égypte ont passé des mois côté à chercher joindre encore pour camper guerre et puis retourner otage aux familles. Mais les négociations auraient été bloquées. Il n'y a pas de pas en place. Serge François Michel, VOA Creole. Nous, dans le pays d'Haïti, dans le cap haïtien, deuxième ville pays, il y a un gros escroc pété entre parents yon défunt et propriétaire yon morgue privé après parents défunt. T'es fin constaté brutalité qui t'a fait sous cadavre. Détail avec correspondant nous, Gérard Maxino. Gros escroc pété entre parents yon moun qui mourit et propriétaire yon morgue privé dans la ville cap haïtien. Bouche l'ouvri s'arrivé après parents mois. Te fin constaté plusieurs parties nan komoa krasé en pile. Parent ou fait quoi? C'est pas un accident, moun nan te mouri. Mette Mogla déclaré cependant il travaillait à habiller moi et puis mais le passé bon j'ai lit pendant famille moi venir qu'on a été ensemble avec dans bureau c'est moi même qui ordonné pour aller moi pendant même il y a moi qu'on a moi même m'ba explication m'était déjà dit qu'on est moi son monde qui était mort longtemps s'il était mort depuis 4h du matin qu'on a yo vina avec au cap à 8h du soir il bat un paquet de soleil m'dit dit que pour moi fin pendant y a mettre rad sous moi mais on travaille pour moi bon Dieu. C'est pour moi qui est aussi grave que ça. Les ovins me disent bon, pas un problème, mais ça passe, mais ça passe. Et ils ont constaté le tout. Pendant ils ont constaté qu'on a demandé, ils me disent bon, pas un problème, nous-mêmes, nous avons pris une décision, nous voulons prendre. Au contraire, c'est moi-même qui te dis si nous sentons que nous léser, nous avons toujours pris l'autre chemin. Qu'on y a de là étant, c'est par rapport à couille monter, couille descendre, qu'on y a ovins me disent bon, ils ont pris et fait constat. On dit bon c'est ça me déguette en disant déguette en disant prend juge de paix pour nous faire constat pour éviter parler pile pour éviter discussion parce que discussion va mener une pièce côté propriétaire Moxa dit gens de brutalité ça ou tant coup pied cassé mais avec GPT pas jamais rivé. Voilà, c'est là nous mettez fin à notre programme. Merci pour attention, nous merci pour fidélité nous non pas monsieur Jacques Nabilizer. Bonsoir. On vient parler sur ensemble de points ou ensemble de sujets
qui nan actualité. Nous pral garder d'abord que ça ka passé cité soleil là. Nous pral font rivé Saint-Domingue. Nous pral garder dossier trois conseils nous cité dans scandale corruption que nous connaît déjà. Nous pral garder dossier qui gè pouè avec question Andy rencontre que PM Gaïkoni a fait, rencontre que DG Ramon Amil a fait. Et n'a font rivé tout dans mouvement qui déclenché la caille Andy policier soit yo dans base yo par rapport avec la mort on confrère on collègue yo qui perdit la ville. D'abord on dit que j'ai information virale sur réseau an. Depuis mercredi après-midi, qui est même le 11 septembre 2024, il y a une question de match football qui a joué entre l'équipe Simon Pelé et l'équipe Boston. Information fait qu'on est que, il y a un goal qui baille entre une équipe Sayo. L'autre dit pas d'accord. Et puis, n'a fait match là, match fini, pénalité shooté, équipe qui te fait goal, qui te vint comme si pas accepté, hein? Eh bien, li vint perdi, et sortant de là, bataille pété en dans Cité Soleil. Et Mbaba nous menti, jusqu'à moment m'a parlé en là, pourquoi capable de chiffres vraiment en détail? Ça veut dire, c'est à de bilan partiel. C'est à de bilan provisoire qui a bail concernant bataille qui déclenché entre plusieurs groupes armés, plusieurs blocs en dedans Cité Soleil. Simon Pelé, Boston, Belécou. Et dans l'espace côté match ça t'a joué. Il y a pile moun ki mouri en dedans espace ça. Si moun ko grand moun jeune bandi comme innocent même à ta football l'étape je Mathieu il y a pile néo ki mouri. Ça veut dire c'est un véritable massacre qui fait en dedans Cité Soleil et c'est même nek armé yo qui déclenche bataille ça, Boston, Belécou, Simon Pelé, et qui la cause que, en pile moun, ta déjà mouri, nan kat affrontement nek yo, pour question match football. Jusqu'à présent. Ça veut dire, ça qui déclenche bataille là, comme élément information, yo parle de un question match football. Ça veut dire, nous même comme journalistes, n'a répété ça citoyen yo di an. N'a répété ça vini comme premier élément information. Qui sont question match football et bagalata mal passé, non question de goal et c'est lui qui a déclenché ça que journée jodi an mon Simon Pelé n'a Boston Belécou a connait là. Et tout pendant journée jeudi 12 septembre non. N'apprendre que coup de balle fait Mikalao. Coup de balle continue fait Mikalao en dedans Cité Soleil. Et même moun apprendre qui t'a passé zone Kafou Douyar. Zone Bois Cimetière Douyar, n'apprendre dans toute zone ça qui moun ka passé qui t'a même recevoir balle. Machine pas traverser dans zone ça pendant journée jeudi. Moto pas traverser dans zone ça. Moun a pied c'est risqué ou risqué traverser dans zone ça. Et tout en dans local son a pien. Moun capable constater plusieurs balles cartouches pour balles cap tombé en dedans local son a pi. Non business chaud de cosa usine ça qui en bas et eh bien yo obligé voyer tout moun yo aller
Parce que yo pa vle moun yo victime en babal bandi, en babal criminel k'ap goumè nan ant Simon Pelé, Boston Belékou. Il apprend que ta gen plusieurs chefs gang nan trois blocs sa yo qui déjà mouri depuis nan soirée mercredi qui li même c'était 11 septembre 2024 là. Jodi an, mwen vle di clairement avec chaque zami kap tande kap gade émission ça en Haïti ou à l'étranger et mon nèg de nèg qui c'est de bandio et tout kap gade émission ça et qui en dans cité soleil qui en dans toute l'autre base armée qui existait yo gèlèm kap di que monsieur nous pas moun. Nous pas moun. Nous c'est déchets moun. Nous c'est déchets humains. Et yem qui dit c'est karma qui a frappé nous. Si le karma existe. Parce que y a plusieurs chefs qui mouri. Yem qui dit c'est karma qui retourne dans des nèg sa yo. Parce que pour valer moun qui ont touyé, pour valer moun qui ont fait yo fait victime en bas balio en bas zam yo, jodi y a des moun qui dit mais si t'as gagné 2-3 graines au cap mouri, eh ben c'est vraiment un bagage en plus qui t'a diminué notre travail la police t'as pour le faire. Bon c'est ça en pile réflexion et ça en pile moun dit. Mais moi même comme directeur d'opinion, comme journaliste et comme citoyen haïtien, moi pas aborder de la façon ça, pas j'aime dire comme ça. Parce que, on garde clair, monsieur. Si que nous dit que les championnats vacances que nous organisons, parce que je crois que, en est dans tout ghetto, côté Guinegax Zamio, ils ont organisé les championnats vacances. Soit Tikan, soit Tissourit, soit grand championnat vacances organisé. Ok? C'est une façon de créer divertissement. Distraction la caille nous, bien que n'a veille tout, pour que la police pas vienne envahir nous, mais n'a permet que moun qui dans zone nan, jeune garçon qui joue football dans zone nan, mette talent en évidence, et créer ti amusement tout, pour moun dans zone nan. Parce que l'État pas présent dans question ça. Ministère sport pas existé, dans façon ça. Fédération haïtienne football pas existé, dans façon ça. Mais nous décidons nous-mêmes, malgré toute critique, malgré toute action malhonnête qu'elle pose, nous décidons de la façon par nous mettre une petite ambiance comme loisir la caille moun. Mais si nous décidons, monsieur, mettre loisir la caille nous, la caille moun, ok? Ok? Si nous décidons de mettre si bien ça, mais messieurs, bagala, nous pas humains du tout. Nous pas moun du tout. Parce que nous imaginons que on question match football a joué parce que bah un goal habite la pax habite la makone refuser goal dans salien dans l'anti au but équipe ça perdit et puis bataille pété balle pété moun mouri. Ça veut dire je dis à monsieur, nous bah raison. Avec un pile moun qui toujours a dit que yo pas jam kouè nan question la paix que n'te dit n'te fait récemment. Yeah. Nous bay raison oui. Avec un pile moun qui t'a dit que les barbecue te descend pour la dit bon, li kontan la paix ça fait là. Jodi an, c'est pas ni en politique, c'est pas ni international là, c'est pas ni ceci c'est là, c'est pas ni c'est l'autre bord qui t'a demandé de faire la paix, c'est eux même qui conscient pour faire la paix ça. Mais je dis à monsieur, ça veut dire là. Nous montrer que nèg exam pas jamais zami nèg exam. C'est d'accord ça zami té notre nous. Nèg exam pas jamais zami nèg exam. Nèg exam pas jamais faire la paix. Et ça mon et ça oui bagala traduit là. Nèg exam pas jamais faire la paix. Nèg exam pareil yo. Nèg exam pas jamais déposer zam.
et exemple clair de ça qui a passé dans moment là dans Simon Pelé dans Boston dans Belécou. Ça veut dire que équipe bonne monde qui mouri qui pas gagne rien pour ouais avec question match football là. Peut-être c'est des moun qui a regardé, qui a grigné d'ailleurs, qui a regardé belle, qui a regardé belle action. C'est des moun qui a dégagé, qui a vendu des cigarettes, des cigarettes, qui a amusé. Je dis à c'est ensemble de moun ça mouri. En plus là, c'est des moun ça mouri. Mais si c'était nous-mêmes qui a goûté entre nous, et puis, non, nous-mêmes encore mouri, ça fait garder nous. Ah, ça fait garder nous. Ok? Si était entre nous n'a goumé plusieurs dans nous mouri bah ça c'est ça fait garder nous au moins ça t'a aider la police parce que les ça t'a quelque mauvais grain qui va taper là encore t'a quelque mauvais je pas taper là encore mais entre mais les ces deux monde qui va gagner un pour ouais c'est seulement monde qui prend amusement yo et puis les qui entendent raison qui t'a fait que nous déclencher bataille ça, nous déclencher goumé ça, et qui peut aller la vie moun sa yo, ça fait crise et ça fait lettre, ça fait honte, monsieur. Mais en sérieux, je dis, hein, fon conscient, fon d'accord que l'État haïtien, ok? L'État haïtien, je dis, hein, l'aime dit l'État haïtien, m'a parlé de autorité, nan pi au niveau dans l'État, c'est nous-mêmes qui vous prenons responsabilité, nous. Ok? C'est nous-mêmes. Qui vous prend engagement nous dans rendre que sécurité dans tout pays. Bandi pas kabay la paix. Bandi pas dwe bay la paix. Tenez bien. Bandi pas kabay la paix. Bandi pas dwe bay la paix. Bandi pas kon bay la paix. C'est l'État, à travers ensemble de organes, à travers ensemble entités qui existent, qui vous dégage coup mettre Jean-Jacques, pour yo prendre sa drélé, et bien, responsabilité, yo, n'a permet que la sécurité qui établit dans le pays. Et ça, est clair. Et ça dit que l'État a un monopole violence légitime, non. L'État, c'est lui-même qui a monopole violence légitime. L'État, c'est lui-même qui a responsabilité. C'est lui-même qui a sanré les obligations pour établir la sécurité, pour établir la paix dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Je dis, où est-ce que vous dites? C'est bandia qui a fait, c'est yo le notable, l'affaire sociale, yo le agent développement, l'affaire l'hôpital, la baye l'agent, la baye manger, l'affaire ci, l'affaire ça, c'est bandia qui remplace l'État dans ghetto yo, dans quartier yo. Je dis yon organise championnat vacances. C'est vrai qu'il y a un comité dans zone nan qui mette ensemble qui organise championnat vacances nan. Mais l'État gen pays, côté gen pays qui a fonctionné, côté l'État présent, Fédération haïtienne de football, ministère jeunesse des sports et action civique, c'est dans moment ça pour le déployer un ensemble d'agents, pour regarder comment que nos ensemble de championnats vacances cap jeune ensemble de côté, pour aller découvrir un ensemble de talents, jeunes garçons qui connent jouer football dans ghetto, oui, et laisse ça pour intégrer soit à travers des clubs, à travers sélection nationale là, oui. Et quand ça me juge que et quand ça me donne une dignité qu'on y est longtemps à bien dire. Mais ça a des années. Bien que tout. Il y a des années là tout. Pas que championnat national haïtien tout. Pas que comme ça. Il y a des années là que nous pas qu'à parler de championnat national. Première, deuxième, troisième division. Parce que tout côté
qui t'a capable faire match ça yo bandi occupé yo et tout côté que t'a capable faciliter que grand axa yo libéré les que tel club pas jouer avec tel club eh bien bandi prend espace ça prend route ça yo je dis am quoi que plus important pour que ça qu'a passé là dans cité soleil là qui c'est pire gros pire dans ville paysan. Ok? Ok? La pire gros bi dans ville paysan, je dis, nous croyons que, fuck autorité yo, yo même tout. Après que l'État, la police, ta fin prend de disposition, l'État ta prend responsabilité, nan permet que la sécurité, que la paix qui établit, en un pays, mais l'État doit engager dans un projet de développement, dans un projet sociétal et qui permet que, surtout dans le quartier défavorisé, ça y est, pour ce n'est pas bandit qui a contrôlé, et pas bandit qui décide, et pas bandit qui dit ça à la fin, et pas bandit qui accepte. Comme si ça y est, il faut que ça y est six semaines. Faut que ça y est six semaines. Mais pour ça y est six semaines, nous devons gagner autorité. Nous devons être chef qui bouge une notoriété. Nous devons être chef qui bouge pouvoir dans le pays. Nous devons être chef qui bouge dans la connivence qu'on corde avec bandi armé. Parce que je dis, c'est parce que y a trop de monde, trop chef qui passe dans l'État, qui n'a connivence, qui n'a concordé avec bandi armé, et qui la cause que ça paye, dans le niveau paye arrivé là, qui fait que de côté c'est bandi qui a imposé, et bandi qui a fait A, et bandi qui a fait B, et bandi qui a fait Z, pour moun qui vivent dans le ghetto. Yo. Et, ça qui est triste, c'est que bandi yo fond dans le moun yo. Et même les moun yo ta vle dénoncer les gens pas capable. Parce que dans un pile froid de gang, bandi yo utilise ti moun piti yo et utilise fam yo comme tout est comme espion. Ah oui. Dans un pile ghetto côté que froid de gang yo, bandi yo utilise ti moun piti yo et utilise fam yo pour instrumentaliser yo pour al servir comme tout est, al servir comme espion. Ah oui. Que je dis, hein, m'le que ça arrivé en deux de Cité Soleil, hein, ça a passé dans un moment là entre Simon Pelé, Boston Belekou, et qui t'a déjà poté aller la vie plusieurs dizaines moun de moun la population civile, hein, mette avec des bandits tout. C'est dans goumé zone ak zone base à base et bandi a tombé mais n'a prend tout gè de simple citoyen qui eux même qui mouri tout là qui mouri dans moment gè blessé tout dans moment que je dis am quoi que li important pour que ça yo comme problème yo rive résoudre yo résoudre. Parce que le regard des situations de Cité Soleil, c'est des gens qui vivent dans la mal cité, dans la crasse, dans la promiscuité, dans la misère, dans toutes sortes de calamités qui ont duré. Mais le plus gros problème de Cité Soleil, c'est la question de sécurité. Il y a trop de gangs dans la Cité Soleil. Il y a trop de chefs gangs dans la Cité Soleil. Et ceci dit, chaque chef gang besoin diriger bloc yo. Chaque chef gang besoin établir bloc yo. Et s'entendant là, n'a diriger bloc yo, n'a établir bloc yo, ça vient mettre moun kap vivre dans zone sa yo, n'a de gros difficultés avec l'autre équipe qui en face là. Alors que dans un pays sérieux, côté que autorité, côté que chef pata doué ge ki son bloc. L'em di bloc lan. Elle dit si ta gen bloc, c'est l'état pou gen bloc. Yeah. Nan pays sérieux,
Côté gen la loi, gen état de droit, oui. C'est l'état qui t'a dû gen bloc, mais pas bandi. Yeah. C'est l'état qui t'a dû gen bloc, mais pas bandi. Mais malheureusement, Haïti, c'est bandi gen bloc et pas l'état. C'est bandi gen territoire et pas l'état. C'est bandi by limite, c'est pas l'état. Et je dis à m'croire que, doit gen une bataille sérieuse pour mener. Doit gen un engagement sérieux qui doit prendre pour que c'est pas dans bouche pour que l'état dit que PM Kony a dit et l'état pour récupérer caille en caille quartier en quartier maison en maison. Ça veut dire faut que ça le dit qu'a commencé matérialiser, qu'a commencé concrétiser. Parce que nous besoin ça. Nous besoin vivre. Nous besoin fonctionner en notre pays. Ah oui. Et Jean Désir Venesse un médil là. Tout insecte nuisible humain qui a problème, l'État doit prendre une décision avec vous. Yeah. Tout insecte nuisible qui a problème, l'État haïtien doit prendre sans relais une décision avec lui. Et l'aime dit insecte nuisible, m'a parlé de bandits armés, m'a parlé de association malfaiteur, m'a parlé de association criminelle qui yo même mettait ensemble avec des secteurs, avec des groupes en notre pays. Et même dans la diaspora, pour craser Haïti et pour faire Haïti tourner un monstre en notre pays, je dis à moi que victoire libre pour peuple haïtien. Victoire finale libre pour peuple haïtien. C'est ça que fait. Doué gè engagement. Et ça que fait. Doué gè ça n'est les consciences qui pour prendre. La caisse citoyenne nous yo, quel que soit t'es en Haïti ou bien à l'étranger, de vous c'est haïtien, ouvrez un lot Haïti, ou devez engager ou pour l'autre Haïti ça capable réel. Yeah. Pour l'autre Haïti ça capable réel. Parce que je dis, hein, je crois que si nous pas goumen, si nous pas bataille, pour l'autre haïtien réel, n'a toujours été dans l'état pompier, n'a toujours été dans l'état sélégué comme si les situations compliquées, les situations magomées, c'est laisse ça nous-mêmes, nous pourrions faire exemple et garder ça en capoté comme solution rapide. Et chaque fois, n'a pas tenté essayer résoudre un problème. Ouais. Chaque fois, n'a pas essayé tenter essayer résoudre un problème à la va vite. Solution toujours très loin. Li toujours très loin et ne va jamais jouer une réponse résultat qu'il a besoin vraiment. Et ça fait nous d'accord avec ancien DG Mario André Sol. Lequel dit que résoudre ça qui est là comme insécurité, hein. C'est prévention et anticipation. D'abord, c'est prévention. C'est d'abord prévenir, garder ça posé comme problème, non? Et comment on est capable d'anticiper sous lui? Pour que le problème, ça, il va venir empirer plus devant. Pour qu'il ne va pas venir avec un problème plus devant. Mais je dis, hein, si que nous pas d'accord que pour nous prendre engagement, ça, yo. Bon côté autorité, yo. Bon côté population haïtienne, non? N'a fait carré nan plaigné, n'a fait carré nan dénoncé, n'a fait carré nan critiqué. Et moi que je dis, hein, nous besoin quitter étape ça. Étape plaigné, hein, étape critiqué, hein, étape dénoncé, hein. Nous besoin quitter. Je dis, hein, si que nous pas essayer comprendre
Nous pas essayer garder ensemble comment qu'on capable jouer partition pas nous ensemble comment qu'on capable porter contribution pas nous je que me toujours dis moi avec Désir Venesse je que moi avec Désir Venesse prend de gros engagement par rapport avec eh. OK. Yeah. OK. Je que moi avec des Ivenes toujours dit je que moi des Ivenes toujours fait. OK. OK. Oui. Je dis un. L'important, je dis un. Le plus que important que chaque Haïtien doit être conscient, chaque Haïtien doit être d'accord, chaque Haïtien doit admettre que ça gagne là comme situation, pour qui gens qui façon pour arriver à résoudre li. Et moi dis encore après dit, gang pas kabay la paix, gang pas doit bay la paix, non, gang pas kabay la paix, les gars exam illégal pas kabay la paix. Les gars qui illégal pas qu'à faire la paix. D'ailleurs, nous ça clair. C'est Zam qui l'a mené, les gars, tout n'est chef. Les gars, il m'a dit lié. Les gars qui est Zam, il est chef. L'homme dit, c'est chef, il dit, il a bloqué client pour ne qui a fait le chef. Le pas attendre rien de sérieux que les gars qui ont dit fait la paix, comme si pour attendre que vous la paix vraiment. Alors, imaginons que j'ai information, c'est qu'il est là, en pile dit. Dans l'équipe mec Simon Pelé Mouya. Ou pas c'est comme si même l'autre attendait bon, ok, et l'autre chef gang pareil yo il dit ah bon monsieur on fait la paix ça qui va être arrivé on comprend on nous avancer. Alors bon c'est comme si Simon Pelé pas oublier ça. On pas attendre que on les capare quand même. Simon Pelé ba on frappe. On pas attendre nous les quand même belé quoi ba on frappe. Elle dit faut attendre avec ça. Ça veut dire faut d'accord ça que pas jamais rien la peine dans mitaine exam illégal. Pap jam gen la peine en mitan nèg exam illégal. Ça moins dit et me clair sous li. Parce que gen plusieurs fois nèg yo di yo fè la paix. Après un titan la paix écrasé. Après un titan la paix écrasé, ça veut dire ouais là, la paix écrasé là. La paix ou te di yo fè avant elle écrasé. Li écrasé. Par contre comment on pral fè pour refè un mascarade encore? Bah on qui je pral faire pour y faire une mascarade pral dire faire la paix mais voilà pas gagner la paix encore là écoute zap et la guerre gagne au lieu de la paix c'est la guerre là en dans cité soleil entre Simon Pelé Boston Belécon c'est la guerre là mais malheureusement dans guerre là principale victime non c'est population civile là principale victime non c'est population civile là c'est lui-même qui est victime en bas menek armée ça yo et je dis à moi que faut que nous bien comprendre faut que nous bien garder tout pour que population haïtienne là pour pas entrer dans jouet de bandi armée yo population haïtienne là faut que nous bien garder. Oui. Faut nous bien analyser pour que nous pas entrer, nous pas prendre dans jouet bandi armé yo. En même temps tout gen jan de diyan situation haïtienne nan avant minute de c'est ça. Gen yon situation qui rive qui a produit nan base SWAT nan. Après la mort frère Damio, les non policiers ça qui mouri récemment. Mercredi 10 septembre, non, parce qu'il n'a pas de soins de santé.
l'ital l'opération dans Crissier. Malheureusement, il prend balle et quand il te prend balle là, il pas mourir sur place, il t'a couru avec l'hôpital Fond des Blancs. Et yo bal premier soin, mais te gen obligation pour que policier ça te dépêché pour l'entrée Port-au-Prince pour te capable bal soin cal nécessité rapide de presto. Malheureusement, la police t'en en plus au niveau, l'état n'en plus au niveau. Il pas fait aucune démarche. Peut-être bon, m'pas dit pas faire aucune démarche, mais bon, m'ka dit démarche a pas abouti. Si tu t'es fait, si tu t'es fait démarche, mais démarche a pas abouti avec rien parce que sinon policier ça, yo t'a gete al prendre dans l'hôpital que t'es dans ni payant et pour gete travailler le Port-au-Prince pour al bal ce qu'elle nécessité. Rien pas fait, yo pas al prendre, pas gagne fait jusqu'à ce que policier ça livre le mourir. Policier soit team ça. Et policier squat yo en pile nan yo nan journée que jeudi 12 septembre nan yo décidé faire un mouvement yo cadenasser barrière principale entre base et Swatlan parce que yo dit yo critiquer l'état haïtien yo critiquer autorité nan pi au niveau dans l'état pour que yo de sacrifier et yo même aller plus loin pour yo dit regardez récemment là t'es gagné un officier qui n'a t'es prend balle qui t'a tombé dans at Cap Mingo bandit dans zone APN rapidement ou t'es couru avec ces domaines peut-être par contre qui sa condition a été mais yo couru avec ces domaines et moi quoi que yo dit qu'on a santé rétabli c'est comprendre pas de problème non ça qu'arrivé dans niveau que t'es blessé couru avec ces domaines OK parce que ça qu'arrivé pas spécialiste en Haïti pour ça comme médecin OK. Mais qu'on y a policier ça, qui lui-même prend balle qui mourit, parce qu'il n'y a pas de guette prince pour déplacer avec une Port-au-Prince. En sérieux. Qu'on a comment été fait aller, qui ça a été utilisé comme moyen, comme stratégie, pour te déplacer avec officier kenyan, hein, pour te aller avec ses domaines. Qui ça a été utilisé comme stratégie? D'ailleurs, me poser question ça. Est-ce que même stratégie, qui ont été utilisés pour officier kenyan pour aller ces domaines là est-ce que l'état pas de cas utiliser même stratégie ça pour policier soit ça qui était dans ni payant blessé pour être capable entrer Port-au-Prince pour être capable prendre soin m'a poser question moi même parce que mais et connait mesure connait parce que moi même pas pour division hein? OK moi pas pour division entre qui gagne de la police non? Parce que situation ça, ok. Ce situation ça, je dis, hein, li pa vini non bon moment. Situation ça. Et notre comportement, notre réaction, monsieur Swatio, qui juste, c'est une forme de ça, oui. Réaction, comportement, oui, juste, oui. Il y a deux droits, oui. Il y a deux droits, oui, à bien dire. Il y a deux droits pour réagir comme ça. Mais qu'on y a, et il doit voir un message là. Il doit voir un message là. By autorité yo. OK. Yo dwe voye message à by autorité yo. OK. Yon façon pou yo wè nan ki niveau que moun sa yo ki soit PM nan, soit DG Ramonomil, soit conseiller yo. Dans qui niveau vraiment les a parlé pour yo dit que yo vle accompagner y a bay support avec policier nou yo pour yo exactement est-ce que gen volonté ça vraiment pour yo effectivement est-ce que gen volonté la caille autorité dans pire niveau dans l'état pour yo accompagner policier nou yo pour accompagner soldat la médaille yo dans moment ça. C'est dans moment c'est que doué qui en pile disposition qui prend pour capable mettre force de l'audio
la police et l'armée d'Haïti et même officiers kenyans yo mettez l'esprit yo dans deux conditions de combat pour que yo senti yo confortable, pour yo senti que yo à l'aise, pour yo senti yo pas paix dans des décisions, dans des actions, dans des opérations, dans des interventions que yo pral fait. Parce que si ça a déjà commencé à répéter, li pral démoraliser policier yo, li pral démoraliser soldat la médaille yo, et de même tout avec officier kenyan yo qui jusqu'à présent qui poko vraiment voulait impliquer yo dans bataille là, parce que ou t'étais des gars plein pour yo. Mais quand même m'passé avec le temps que marionnette là l'a passé entre différentes forces de l'ordre ça yo. Mais je dis hein, m'le que ça rivé hein, je dis hein, m'le que ça passé hein, que rapide au presto que autorité nou yo essayer résoudre li rapide pour yo résoudre li, parce que li a gen de gros impact sur policier yo, l'a gen de gros impact sur force de l'ordre yo. M'kwè ça nan moment m'kwè que c'est serré pour serrer les rangs, c'est serré pour serrer les liens, c'est serré pour serrer coude à coude yo, c'est serré pour serrer les épaules yo, yon manye pour qu'yo capable être soudé solidaire nan moment ça pour capable mener opération comme ça droit. Den noue bandi yo entre eux encore, nèg yo commencé mettre dife nan même kan yo encore. Nèg yo commencé mettre dife nan même kan yo encore bandi yo, parce que groupe ça goume avec groupe ça, bloc ça goume avec bloc ça, qui donc ça montre comme si c'est bon bagaille selon en pile moun pour la police nationale d'Haïti. Ah oui, parce que ensemble de gang qui déjà mouri là dans différents quartiers ça là, eh ben c'est un travail en moins suit pour la police. Ah oui, son travail en moins sur la police. Parce que les ça, si nèg ça était là, il va augmenter travail la police là. Mais comme yo pas là, ça qui est en mouri yo, gen moun qui dit c'est bien. Gen moun qui dit c'est bien déjà. Yeah, gen moun qui dit c'est bien déjà. Que donc je dis hein, en pile moun veut comprendre, en pile moun la poser question que la police là nan moment besoin en pile accompagnement, pas seulement nan di nabay prime de risque, pas seulement nan di que n'a matériel de combat pour gagner, mais yo besoin toute forme d'accompagnement, yo besoin toute forme de support nan moment. OK, yo besoin toute forme d'accompagnement, yo besoin toute forme de support qui permet que aider yo et mettre en condition de combat, dans condition de travail pour capable, parce que y a risqué vie yo policier ça prend balle qui mouri, parce que c'est il risqué ville pour bailler la vie avec un ensemble de monde dans crécier. Faut garder ça gros. Les que policier besoin soin, y a besoin d'intervention rapide en urgence, faut que l'État prend de disposition pour permettre que yo bail yo fait des interventions, ou dis moi que yo bail accompagnement rapide avec faux policiers yo, avec militaires la médaille yo, même gens avec officiers kenyans yo. Parce que faut nous dire, faut parler de tous les trois. Parce que c'est eux trois qui là la mission pour bail pour aider pour résoudre cette galère comme situation. Yeah. C'est eux trois qui là la responsabilité yo pour établir sécurité, pour établir la paix. Oui, c'est eux trois. La responsabilité dans la mission yo pour bailler sécurité, pour bailler la paix dans le pays. Et ça fait après m'a toujours dit la police, l'armée, officier kenyan. Ah, la police, l'armée, officier kenyan. Dit clair. Bien que on peut me qualifier de bluff la officier kenyan, mais faut me citer dedans parce que yo là. Il y a touché, ouais. Il y a plein pour la jambe pour toucher, mais là quand même. Mais il commence à manger pour manger pays nous. Il commence à psychiquer un peu le côté de pays.
et au cas là pour quelques années. Bien que gagné secrétaire d'État américain récemment en Haïti, il était clairement dit que option pour transformer mission multinationale ça en mission onusienne est sous table. Bien que tout Équateur ensemble avec États-Unis déjà commencé à parler de ça avec l'autre pays membre Conseil sécurité des Nations Unies sous ça. C'est quoi bon? Donc je dis hein, moi crois que plus que important, les plus que important pour que ensemble problème qui gagne là yo, ensemble situation qui existe là yo, pour nous garder qui gens, qui moyen, qui façon pour que problème ça yo rive résoudre. N'apprendre que t'as gagné dans question criminalité et zak insécurité, n'apprendre t'as gagné deux ressortissants Philippines que bandi kidnappé m'a dit passé en là dans rat Port-au-Prince, on a dit bien dans zone APN, zone en bas la ville, zone ça yo. Et victime ça yo qui était dans yon qui était à bord d'un navire qui tapoté marchandises qui pour compagnie Roley. Évidemment ça li montre incapacité autorité yo dans sécuriser espace stratégique pays malgré état d'urgence sécuritaire que l'État lui-même lui dit que l'il fait. Ça veut dire, si que M. Damio dit que gen état d'urgence sécuritaire, et les Ariel Henry même, alors pardon, Gary Coli même avant hier, a rencontré un ensemble de Andy autorité à travers AGD, la douane, je vous dis, hein, si poko capable gen sanre les bon gens sécurité, pour garantir que chaque monde sa yo capable sikile comme ça doit, eh bien, on dit tête nous bien, problème nan, li loin pour le résoudre. Yeah. Problème nan, li loin pour le résoudre. Ok? Li loin pour le résoudre. Mais moi-même, ça m'a dit, m'pa vle perdre l'espoir, m'pa vle perdre la face, parce que m'croit que, depuis que volonté, depuis que bon engagement qui prend, moi connais situation problème paysan. N'apprends temps vrai pour arriver là-dedans. N'apprends temps pour arriver là-dedans. Mais quand même avec volonté n'a privé quand même. OK? N'apprends temps pour arriver là-dedans. Mais depuis que volonté n'a privé quand même. Je dis, hein, je crois que engagement pour que nous sortions là-dedans, engagement pour nous, où était nous là-dedans, on nous prend. Responsabilité pour nous sortir dans sa guerre comme insécurité, hein, faut nous prendre parce que c'est une obligation. D'ailleurs, nous kawe ki jan, ok? Nous kawe ki jan, que Haïtien a mouri la kay voisin. Nous kawe ça. Immigration la gede Haïti, c'est quoi de? T'as coûté sec qui besoin l'appli. Ah oui. Immigration la gede Haïtien, t'as coûté sec qui besoin l'appli. Et grand pile haïtien qui déjà mouri nan couri nan sauvé pour migration pa pran yo sortant d'en là bagala vin compliqué pour yo. Et je dis en tout nous tendez ça k'a passé nan Springfield nan état Ohio aux États-Unis, comment que la vie haïtien nan Ohio Springfield de vraiment représenter, mon cher haïtien, commencer par le connaître de moments très difficiles. Okay? Haïtien, commencer et par le connaître de moments très difficiles. Parce que, je dis, hein, les que yon ancien président des États-Unis, les que actuel candidat, pour élection qui a venu là yo. OK?
OK? Je dis, hein? Les que ensemble de ça, yo. Je dis, hein? Nous devons comprendre que si nous-mêmes comme haïtiens, si nous-mêmes comme peuple, si nous-mêmes comme monde, nous pas avoir conscient, nous pas avoir admettre que faut nous faire la caille nous. Nous pas un problème moi haïtien capable résider à venir dans n'importe quel pays. Mais faut d'accord tout. Gon comportement nous devons gagner. Mais tout, faut que vous respectez droit nous comme haïtiens. Et pas droit haïtiens seulement, mais respectez droit tout le monde qui vit dans l'espace. Depuis ou même ou pas tomber en contravention avec la loi. Mais je dis à Baba nous menti. La vie haïtienne en Springfield, Ohio, est vraiment difficile. La vie haïtienne dans Springfield, Ohio, il paraît très compliqué pour haïtiens. Et grand pile haïtien qui déjà commencé à quitter Springfield qui dans Ohio pour aller vivre l'autre côté plus ou moins qui a senti en paix. C'est vrai. Depuis c'est pour si c'est pour depuis c'est pour déranger immigrants pas en question de côtoyer États-Unis ou pas en paix non. Parce que Donald Trump clairement dit depuis le monter là mon cher va déporter en plusieurs millions immigrants. Bon, ça veut dire immigrants pas près seulement spanish à pas ici à toute l'autre nation. Et je dis à oublier Donald Trump fait ça de cheval bataille. Donald Trump fait ça de véritable cheval bataille. Et pas oublier grand pile républicain qui eux même cap qui rejoint Donald Trump dans déclaration ça. Yo clairement courir, yo clairement camper derrière Donald Trump. Yo courir, yo camper derrière Donald Trump. Donc je dis hein, moi m'a dit ça. Ça fait même de jeudi gain obligation pour faire la caille bon. Parce que l'a courir derrière nous. Fann go côté pour nous aller. Ah oui, si l'a courir derrière nous, go côté pour nous aller. Grand pile haïtien dans le premier mandat de Donald Trump là. Sacté capable aller Canada, il est allé Canada. OK? Sacté capable aller Canada, tu es allé Canada. Mais ça pas de aller Canada. Tu es obligé soit à rester aux États-Unis à prendre Brimadio. Ça que tu es allé Canada, aller Canada. Mais ça que pas de aller Canada, tu es obligé de rester à prendre Brimadio. À prendre Brimadio. Donc je dis, je ne dis pas au monde que sous déjà gain pile bien, pile fortune aux États-Unis, Canada, la force cotoyen pour abandonner ou pour entrer à Haïti. M'bap jamais dit ça. Parce que ou gen des engagements que t'a prendre dans pays ça ou m'a capable mande pour aller faire ça. Et en plus tout gen pas jamais gen dans tête ou comme intérêt pour aller vivre Haïti tout. Ou gen droit d'accord, ou faire entrer sortir ou visiter. OK? Ou gen droit d'accord faire entrer sortir ou visiter en pile côté en Haïti, même gens haïtiens en pile haïtien t'a même visiter en pile l'autre pays à travers le monde, mais en même temps tout gen en pile haïtien gapil étranger tout qui t'a remé à visiter Haïti. Gapil haïtien parent yo c'est haïtien mais qui quitte Haïti longtemps ça. Vous comprennent? Et que petit tu as demandé puis t'a font aller Haïti mais comment on pourrait le faire à Haïti dans moment là? Pas aucun moyen là non? Pas aucun condition réuni là. Si c'est pas un héros un brave pour t'a dit que ou va entrer Haïti ou va aller Haïti dans moment mais ça ca sortant des cas passer Haïti dans moment ou pas foutre pas peine non ou pas foutre dire à mon cher pendant que soit Haïti à la même dans moment et c'est vrai l'aime tendre l'aime parler avec un peuple haïtien qui en dehors pays qui pas en Haïti yo dit ça oui on comprend ouais OK je dis hein un peu moins capable comprendre en plus moun capable d'accord que nan niveau Haïti rivé là nan niveau pays rivé là li mande de engagement de responsabilité journée jeudi 12 septembre 2024 ça
T'as trouvé qu'il y a un contingent et Jamaïcain qui est entré dans le pays. L'aime dire contingent Jamaïcain qui est entré dans le pays. N'a pas les deux 20 soldats à l'armée jamaïcaine, selon l'information yo. Et avec 4 officiers police dans le pays Jamaïque qui fait partie et contingent Jamaïcain ça yo. Et n'a dit que 24 andi et hommes de zam militaires ou policiers jamaïcains qui entré yo, yo prévin compléter ajouter sous et 380 combien officiers kenyans qui déjà là et dans quatre missions multinationales soutien sécurité à Haïti en désir venesse. Parce que pas oublier véritable objectif là, eh bien c'est arriver établir sécurité dans pays hein, côté que la police nationale d'Haïti mettait avec l'armée d'Haïti un support avec appui Jenda Dian mission multinationale soutien et sécurité haïtien pour arriver établir sécurité en dans pays hein, permettre que la vie capable reprendre moun capable fonctionner comme ça droit si moun capable aller à l'école comme ça droit étudier capable aller dans faculté comme ça droit c'est-à-dire la vie capable reprendre normalement et à, machine capable circuler comme ça droit puisque pas oublier jeudi en là il y a plusieurs années depuis gros axe routier pays qui c'est route sud là et route nord pays pour me dire Matisse Fontamara et Canaran yo bloqué et qui est-ce qui bloqué yo c'est de criminels armés c'est de bandits armés qui ont même bloqué espace ça yo et ça fait jusqu'à présent des Irvenes les que moi li moi gardé moi tendé réaction en pile là compatriotes haïtiens qui à l'étranger et haïtiens qui en Haïti yo des bagages qui ont dit que moi même moi tout à fait d'accord avec yo parce que yo dit jusqu'à présent là yo poko wè rien de sérieux qu'a réglé parce que et tout chef gang yo toujours dans base yo y a prend plaisir yo y a jui l'argent yo y a réglé sa affaire yo et en plus de ça grand axe routier New York comme ce qui c'est Matisse Fontamara poko débloqué pour moun capable circuler qui de pour yo même yo poko senti vraiment ça la police dit a fait hein qui c'est opération qui y a mené pour capable dénicher démanteler bandits criminels armés des Ivonnes. Bon, c'est vrai parce que jusque là m'ka d'accord avec Mounio parce que yo même yo d'accord que madame Sarayo qui yo même c'est un gros morceau dans économie paysan qui bloqué qui pas qu'à traverser et Matisse Fontamara et qui pas qu'à traverser tout national numéro 8 là qui pas qu'à traverser dans niveau Gonaïve en zone Tirivière zone Savier toute zone Sayo yo trouvé que c'est des situations qui montrent clair que réalité hein dans ça l'état dit hein dans ça la police a dit hein mais yo poko sorti au poko senti aucun impact sérieux dans dossier de résoudre question insécurité. Des amis qui dit et puisque nous disons avec la gueule dans ma 11, mais on dit, mais Blaise, on va pas faire comme ça, avec le championnat en Badelma. Même là, je pose des amis qui sont ça. Et barbecue café championnat. Barbecue café championnat. Vous avez demandé qui côté exactement championnat ça a fait. Mandel tout, depuis le, la police tant mes opérations au niveau Badelma, est-ce que championnat a fait, est-ce que Mathieu joué? Faut me poser question tout oui. Est-ce que Mathieu joué? Est-ce que championnat a fait? Est-ce que c'est pas dans zone on dit la salle de côté encore parce que pas oublier avec opération la police la mer mené dans niveau Badelma, est-ce que ça mettait barbecue, ça mettait équipe liée en confiance pour qu'il capable faire Mathieu? Faut regarder ça. Faut nous questionner ça oui. Nous quand ça barbecue t'es plus présent récemment n'a fait un ensemble de petites vidéos ou après qu'on y a diminué, il réduit dans petites vidéos. Et ou kawe tout ISO et pas trop faire vidéo peut-être m'a une stratégie monsieur yo mais monsieur est certain que nèg yo a veillé hein nèg yo a veillé parce que pas connait qui joue qui les qui moment que force de l'ordre capable envahir vraiment et yo capable prendre non situation elle dit je dis là pas aucun chef gang là qui pensait que capable l'ouvrir col capable faire l'école par rapport avec gens que yo pas connait cette situation je que vent a vinn jeune yo a dit y a questionné y a étudié y a travaillé chaque jour yo pas connait qui gens vent opération vent résolution par rapport avec question de sécurité après vinn jeune yo ça veut dire je dis hein tout bandi armé yo yo tout prudent yo nèg yo tellement prudent nèg yo pas vraiment mettre pied à terre peut-être stratégie nèg yo pas connait. Mais pas oublier tout, stratégie ou pas, ça pour qu'on ait, l'État c'est lui-même qui a monopole violence légitime. Non? C'est l'État qui a responsabilité pour y établir sécurité dans le pays. Hein?
Quel que soit TLX, ou TLY, ou TLZ, ou TLM, ou TLP, l'État, dans tout compartiment, l'État, dans le niveau tout compartiment qu'il a, c'est à lui-même qui a responsabilité pour établir la sécurité en paix, pour peuple qui est capable de fonctionner comme ça doit. Et je dis, ça fait nous dire, quel que soit le conseil présidentiel, quel que soit le PM Gaïkoni, quel que soit le DG Ramon Amin, quel que soit le état-major Lameyan, il y a obligation de travailler pour la sécurité en appui avec mission multinationale. Non? Je dis, mais que ça clair pour tout le monde. Rivé et monsieur l'armée Jamaïque, est-ce que ça pourrait permettre que encore effectif là augmenter? Oui, mais est-ce que vous pourrait arriver vraiment dans le combat qui mettez au bon côté la police, là, bon côté l'armée, dans aider résoudre ça de la première sécurité? Et pas oublier le travail là. Puis gros travail là, je dis, hein, l'irait poser sous de la police avec l'armée d'Haïti. Puis gros travail dénicher, démantibiler gang criminel yo, li reposer sous dos la police, sous dos la médaïti, des Ivenes. Dans la situation porte-parole adjoint la police, on voulait parler de Lionel Lazare, confirmé et ça qui est pour avec arrestation et 10 septembre passé à Oudi Altidor à Kablodi La Douceur, dans quatre enquêtes que la police a menées sous question assassinat Jean et Draman Simon, un étudiant qui était perdu la ville dans faculté technologie avec ça qui est pour avec fusillade qui était faite dans faculté droit UEH, il a arrêté de Mounsayo dans Riel Vaillant dans Port-au-Prince selon information que Lionel Lazare, les partager, Blaise Peterson, sous ensemble travail que la police continue à faire. Dans tout dernier jour, c'est pas bandit qui tombait en bas coup de zame la police, ou a besoin d'informations qui montrait que la police a marré des mouns pour crabe, soit des faux policiers, à cap faux policières, ou bien des vrais policiers qui pratiquement rentrés dans des bagailles qui louchent en dedans pays, parce que la police toujours était en mode d'opération dans grand quartier général Gagno, dans Badelma, dans Solino, dans Cité Soleil, dans Berlin. Dans le Fort National, depuis ce côté qui est foyer gang, dans le Grecier, même dans le Fort Parisien, la police mobilisée dans l'Éogane pour prendre contrôle de la situation. La situation de gros conseil ministre qui était faite dans la journée ailleurs, et bien qui renvoyé pour vendredi Cap-Vignan d'après ça. Une source dans le gouvernement rapporté et dans l'agenda que tu as quelqu'un pour être capable de discuter jeudi, et bien staff rédaction est en temps pour nomination, membre KIP et puis établissement commission vérité à 14e mois pour employer l'État pour être capable de commencer année l'école qui pratiquement pour quelqu'un pour venir, c'est ça que tu as parlé dans l'agenda que tu as parlé discuter dans le conseil ministre qui renvoyé. La situation de l'OCNH qui a porté à travers une lettre, yon démenti, ça qui fait quoi qui a été ignoré et une rencontre qui a été faite. Et si ça d'août passé à et dans une réunion travail à POHDH sous mécanisme pour nommer un représentant secteur de Wamoun dans le conseil électoral provisoire d'après OCNH. Information POHDH là rapportée dans une correspondance qui datait 23 août qui était adressée membre conseil présidentiel transition. C'est une erreur. Comme preuve, il y a gagné une copie liste présence pour rencontre au CNH avec POHDH, te fait jour qui était 6 d'août 2024. Ça veut dire, nous avons continué à goumer entre eux. Yo continuer à bataille qui a bien que situation pratiquement vient plus compliquée parce que yo pas qu'à parler d'élection monter KIP pendant situation toujours été très difficile dans ça qui concernait question et sécurité dans ça qui est pour avec économie avec développement banque interaméricaine et développement nous voulons parler de BID qui organisé hier dans Washington une conférence sur développement économique en dedans pays d'Haïti c'est à travers secteur privé qui regardait question ça pendant conférence là qui déroulait eh bien avait matin dans quartier général BID là personnes participant ont discuté sous plan banque là avec organisation internationale gagné pour appuyer développement économique dans le pays d'Haïti dans le moment il a essayé de sortir d'une crise insécurité qui pratiquement dépassé en pile et tout secteur pratiquement à victime de l'île. Événement est concentré tout d'après et sa bide de fait qu'on est eh bien sous qui genre pays hémisphère occidental capable d'aider Haïti dans le développement économique et bail j'arrête à travers commerce à mobilisation ressources que Haïti gagne bide continue pour le faire qu'on est blessé personne et pendant cinq dernières années qui sont passées, eh bien, RAD qui exportait, sorti Haïti pour aller en États-Unis, eh bien, il représentait 3 cas total produits que Haïti est exporté. Et puis, il fait quoi? Gagner 5% produits national, oui, qui sans doute déplacé pour Algérie, et il regardait toutes les questions industrielles là, qui baillent
aux environ, la situation, 60 000 personnes emploi en dedans pays. Et il fait quoi? C'est le cinquième secteur officiel travailleur qui gagne dans le pays d'Haïti. Entre l'année 2006 et l'année 2023, l'exportation RAD qui sortit dans le pays d'Haïti pour aller aux États-Unis a augmenté de 64% selon la Banque Interaméricaine de Développement, tandis que l'investissement étranger direct a augmenté plus passé 4 fois valeur exportation, ça qui était la cause, plus passé 16 000 nouveaux jobs devine créés en dedans pays d'Haïti. Et ça fait que c'est important pour investir dans ce sens-là. Parmi les responsables qui ont participé dans la rencontre ça avec Bidegain, ancien parlementaire américain, Christopher Dodd, et puis qui s'est conseiller spécial président et les États-Unis d'Amérique, là, on voulait parler de Joe Biden, gagné et Alex Sia, la tortue, qui est secrétaire d'État, adjoint américain pour, et ça qui vient pour avec question commerce international, acte développement, et puis député démocrate dans l'État Floride, on voulait parler de Sheila et chef Phyllis McCormick, qui était participé dans la rencontre qui était déroulée pour l'ETC. Donc, regardez, et qui position que vous captez pour permettre que, et commerce avec le développement, c'est un vecteur qui va permettre que le pays soit dans ce qu'il y a. Dans cette situation, on croit en pile haïtien qui a gardé tandem et quitte en République dominicaine, quitte États-Unis d'Amérique, eh bien, dans le moment, le peuple haïtien qui immigré dans le pays des États-Unis d'Amérique, et spécialement dans la zone Springfield, et qui pratiquement dans Ohio, dans cette situation, on oui, il y a connu des situations très difficiles dans le moment par rapport avec un propos et diffamatoire, sexisme, à travers des propos qu'il y a fait sur le pour capable de diminuer comme monde. Eh bien, gagné et ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Dans un autre ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, il a été entendu pour te voyer. Il a rappelé qu'il y a dans tête et Dominique Dupuy qui mettait d'ailleurs une lettre pour journée. Mercredi 11 septembre hier, les personnes ont fait quoi que le gouvernement exprimait préoccupation que les gagnants après déclaration discriminatoire, plusieurs politiciens américains fait contre haïtiens, ok? Et non diaspora, particulièrement si là yo qui a vivent dans Springfield, Ohio, et puis malheureusement, ils fait quoi? C'est la première fois qu'un compatriote nous qui vivent dans un pays étranger a victime des campagnes ça. Haïtiens campés ensemble pour nous dire avec une seule voix. Que nous c'est moun, c'est ça, ministre a écrit ensemble avec l'organisation qui est dans la diaspora, qui dit qu'il a évalué toutes les stratégies possibles pour capable aider les compatriotes haïtiens qui pratiquement dans la ville ça, dans cette ça, qui victime des actes d'intimidation avec moun qui a discriminé tout pour capable ouais, gens qui ont capable sorti parce que fait quoi que ça a bien gros conséquences sur la vie moun ça cap connaît des situations très difficiles par rapport avec et causer si là cap tirer sur là nous connaît dans et débat. Un plus gros débat que Donald Trump et Kamala Harris ont organisé dans la journée avant-hier, dans la soirée avant-hier, dans cette personne, eh bien, après, un pile propos sorti dans la bouche de Donald Trump et surtout contre les immigrants. Il n'y a pas des immigrants qui, en général, qui sortent tout partout. Oui, mais il va haïsser seulement. Il va haïsser seulement. Très bien. Très bien. Mais pour haïtiens, ils ont estimé, c'est une insulte, les messieurs ont parlé de monde, surtout immigrants, et ont pointé droit, en pile fois, dans. Et c'était ça, puis on dit c'est haïtien, en plus fois, quatre manger canard, quatre manger chat, quatre manger l'autre animal sauvage. Je dis manger chat, oui. Bon, ça, c'est pratiquement vexant, qui permet en plus haïtien à dire avec autorité qui est dans le pays d'Haïti, prendre responsabilité qui permet au moins que vous capable de retourner la caille parce que c'est une situation difficile qui mettait au dehors. En République Dominicaine, la situation pas douce du tout. Ah oui, ah oui, pour compatriotes. Ah oui, ah oui. Je dis, nous pas guider pour eux. Exact. Bagala très 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 difficile pour haïtiens qui vivent Saint-Domingue. Il a couru presque chaque jour en République Dominicaine. Depuis attendez mais immigration qui est illégale ou illégale, il est obligé à courir. Je dis à l'important pour ministre Affaires étrangères madame Dominique Dupuy penser sur la situation ça. OK? Parce que cette situation difficile qui cause en pile haïtien à la République Dominicaine. Nous senti qu'elle est absurde, je dis à même que Amnesty International c'est déjà attirer attention République Dominicaine sur le comportement qu'il y a eu contre immigrants haïtiens qui sont en République Dominicaine. Jusqu'à présent, il y a continué avec le comportement qu'il y a eu gagné contre compatriotes haïtiens qui ont pris des situations très difficiles. Ensemble des vidéos que vous avez regardées qui sont très choquantes, les situations pour façon qu'il a traité compatriotes en République Dominicaine. C'est pour ça, dans quatre émissions, ça, ou même qui en République Dominicaine, qui vivent des situations, ça, partagez témoignages dans les commentaires. Même ou même tout, qui aux États-Unis d'Amérique, ou même qui pratiquement Mexique, OK, ou même qui Nicaragua qui a des situations très difficiles, ou même qui Chili qui c'est haïtien,
cap garden cap tendez à travers mes cette nouvelle blaze info pas une nouvelle votre calbasse info racine nouvelle Haïti partager témoignage jusqu'à permettre au moins plusieurs autres monde qui dans communauté arriver comprendre pour faire solidarité avec nous-mêmes qui dans situation difficile côté nous. Désir nous allons venir tout dans émission avec une interview que ça quelque temps que ancien DG la police monsieur Mario André Solte avec confrère nous Wendell Théodore. Et sous situation insécurité, bien dit ça quelque temps oui, mais Jean que Mario André Sol connaît qui t'est passé commencer DG la police, qu'elle t'ai fait n'importe 7 ans dans la police, 7 ans comme DG la police et il t'ai font travail que en pile monde pas jamais raï et t'ai appris ce travail Mario André Sol parce que nous gal permettre moun yo retendre revivre question déclaration ça cap utile et moi c'est quand même capable tirer leçon de lui. Il m'a dit manque PNH et puis ah penser oui, candidat à la présidence tout. Ah, exactement. Mais avant nous venir avec Mario André Sol et point ça, nous voulons toucher le désir pendant un petit temps. C'est situation compatriotes haïtiens, ni États-Unis, ni Saint-Domingue. Et l'aime dit États-Unis, comme je dis, à focus dans le métier sur Springfield, dans l'État Ohio. Mais et pas seulement là, yo. C'est dans tout. C'est quand des États, gain de haïtiens, cap victimes, peut-être. Non, bon côté de Black Américain, mais bon côté de Américain raciste, tout ça, ou j'ai aucune contente, des témoignages, tout bagage, ça yo. Est-ce que vous comprenez? Bien que, yo kon gade tout comportement haïtien ou tout, qui pas fin contre trois bon. C'est fond de bagage la clé, j'en lié. Mais pas oublier, et me songe, si m'ba trompe m'de, ou te dis ça dans l'émission de faire yon en mi-temps journée, dans les années 90, commençant années 90, m'kwè te genye l'État américain dans l'époque, te dit c'est nous pote maladie. Et nous pote maladie ici, oui. Maladie, nous connaît maladie 4 lettres là. Yo te dit nous pote le bayo ici. Alors que les ça, te genye gros mouvement que te fait dans New York, dans pile côté États-Unis. C'est pas premier fois que deux chefs d'autorité passent aux États-Unis, soit comme sénateur républicain, comme sénateur démocrate, comme député, comme congressman, congresswoman, comme président républicain, comme président démocrate, qui souvent parlent des immigrants, mais comme si on trouve un bagage, il a dit spécialement sur Haïti. Donc, Donald Trump, je dis, il va prendre froid, il a fait des déclarations sur Haïti. D'accord, récemment, il était président, il était traité Haïti comme trou de merde, latrine. Ça n'est les tout il était traité de ça. Ça t'est levé plus dedans, pile haïtien, pile bagaille. Mais après. Tu étais un citoyen qui était un peu naïf, qui était un passeport, qui était un visa américain, qui était prêt, qui était boulel. Exactement. Ça veut dire, ça, c'est des bagailles. Il avait même tout que, faut nous goûter pour la caille nous bon, faut nous goûter comme haïtien côté nous yéyan, pour nous une communauté haïtienne qui représentative, qui représentable et qui capable de représenter dans quel que soit côté lié aux États-Unis, à quel que soit niveau, quel que soit espace là. Parce que les communautés qui font, qui organisent, qui structurent, ok, ça veut dire que les ça vont gérer pour nous. Mais en même temps, tout, faut nous ranger la caille nous tout, oui. Faut nous ranger la caille nous. Parce que si nous ranger la caille nous, ou avec quoi avec que, nous ne pouvons pas prendre pour moyen. Nous avons regardé l'économiste Edier Emile qui a présenté 5 pays qui ont plus d'économie dans la région, là, dans l'Amérique, là, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a la Colombie, il y a l'Argentine, il y a le Chili. Je me dis, non, non, Colombie et Brésil, Mexique et Colombie, Argentine, Chili. C'est un pays qui fait fortune tous les immigrants. Mais c'est des pays, je dis là, en Amérique du Sud et Amérique centrale, qui, je dis, c'est 5 gros économies gagnées dans le continent, dans la région bloc noir là, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais qui est-ce qui fait ces immigrants? Mais c'est l'État pays, ça, autour, qui est conscient, qui dit, OK, il a fait pays. M'a songé, m'a regardé récemment, ou Haïti qui a expliqué, dans les années 1960 et 1950, Chili était en bouleverse. En pile Chili, t'as quitté Chili, allant vers États-Unis, à l'autre côté, pour être capable de sortir en bas rive dans le moment, ça t'a passé dans le pays Chili. Mais vous êtes concentré force, yo, et Chili était dans le pays à l'époque, eh bien, vous travaillez ensemble avec ça qui est en dehors pays, hein, pour yo faire Chili venir s'allier là. Et c'est ça le besoin. C'est que si il y a deux monde qui conscient, qui honnête, et qui veut être avec qui veut l'autre Haïti. Ça deux yo quatre cave avec pendant Haïti pour faire l'autre Haïti oui.
Mais malheureusement, ceux qui veulent voler en Haïti, gardons question de dollars 50 là, prend sous nous la diaspora. Ça vous fait avec. Vous attendez voler à voler et puis l'argent qu'a baillé. Il envoie l'argent dans nos familles Haïti. Dollars 50 FN, il y a peut-être fait bagaille avec lui. Alors, ce que vous avez qui dans l'école, école publique et lycée, regardez la situation si vous n'avez pas pris. Mais il va déranger la diaspora, non? Si dollars 50 là, vous prenez, vous avez vraiment comme si vous avez fort qui fait dans l'éducation, ça va déranger nous? Ça va déranger nous, non? Mais je dis, hein, pour que nous ayons respect tout devant, j'ai le mot tout, il faut nous ranger là quand nous tout. Et il faut nous ranger, faut nous organiser nous de façon positive, côté nous et en tout. Oui. C'est de, ouais, ça est important pile. Il faut nous organiser nous comme monde, pour nous faire respecter nous comme peuple, comme valeur, comme humain. OK? Pour nous dire nous, pendant que la caille nous tout, a travaillé pour que dirige la caille nous, faire respecter, faire payer ça, son pays qui avance, pour respecter payer ça la caille en Haïti. Mais sinon, faire notre sortie, vous comprenez, moi l'estival te réagir, à toutes ces rances, toutes ces bundanini, rancioyer. La situation, sous permettez-moi, pour quantité de réaction que moi, dans question de dossier ça, et je vais essayer de poser question. Avec les qui disent c'est chef qui c'est autorité dans le pays d'Haïti. Pour chat, pour cana, ou à qui niveau scandale que ça fait à travers le monde. Parce que c'est le monde qui gagne Jules qui fixait cette question ça. Et je veux dire, mon a mouru par bonne papa dans le pays d'Haïti, ça n'a pas dit autorité haïtienne, président. Comment vous sentiez dans le modèle de réaction qui a fait par rapport avec ensemble déclaration qui peut être un pile dans vous, gardez qui cap fond, parce que vous avez confusion. Entre même autorité américaine sur accusation ça. Tant que tout ça, les personnes qui a préparé pour candidat pour poste vice-président parti républicain dans la prochaine élection qui pral fait aux États-Unis d'Amérique. Tu es dit, oui. Yeah, monsieur, continuez à encourager partisans. Malgré lui, il veut comprendre que ça cap de gué doit par vérité, oui. On lui demande pour partisans de continuer à publier photo chat sur tous les réseaux sociaux et dans l'idée pour faire solidarité avec les résidents qui sont dans ce pays. Ça veut dire, ouais. Il y a arrangé, même quelqu'un ne sait pas dire qu'il n'y a pas vrai, oui, mais il demande pour continuer à partager. Et pour discriminatoire, ça y est, dans cette personne, il y a un bail trouble mental. OK? Parce que, nous, en plus de fois, nous connaissons, on terme qu'on a utilisé aux États-Unis, ça qui est le bullying, moun ka nu, moun ka emmerde moun, si moun qui dans l'école, ça compte cause. Gros dommage, dans cette personne, ça compte cause gros problème. Yeah. Et ça, son sort de bullying qu'il y a. Pour moun qui pratiquement, qui c'est immigrants qui sont tout partout qui est aux États-Unis d'Amérique. Et je dis, ya, ensemble, l'autre pays qui fait partie des Nations Unies, t'as doué prendre position sur ça qui a passé la belle situation. Parce que c'est difficile en pile. Porte-parole, Conseil national sécurité américain, nous voulons parler de John Kirby, qui déclarait dans une rencontre avec un journaliste qu'elle était fait, dans une journée mardi qui était passé à la belle situation, sous dossier Springfield là. Il dit, font accusation ça, yo. Gen yon série théorie complot qui danger en pile. Officiel américain dit, ça qui pi inquiété dans la Maison Blanche, c'est parce que kounye a des moun qui élit dans le Parti républicain kap pousse yon série théorique complot kap cherche diviser population noire. Sous base menti, désinformation dangereux, et des moun kap kweyo, c'est vérité qui a parlé les affaires désinformation yo. C'est un bagay qui ridicule en pile, qui stupide en pile, selon porte-parole John Kirby. Je dis, on même pense que, c'est un regard spécial sur ça qui a passé là. Situation parce que le petit bagage petit après ça que les États-Unis fin fait pays d'Haïti particulièrement ou bien tout l'autre pays qui gagne le monde qui a immigré États-Unis parce que en plus fois c'est eux-mêmes qui créent chaos dans zone de la situation qui fait monde à quitter la caillou parce que la caillou c'était paradis Haïti c'était paradis qu'elle était pour qui ça les blancs américains viennent là pas envie quitter ils pas envie quitter ils pas envie quitter d'Haïti ils sont ils mon paradis et au courir d'en par rapport avec Zan qui a sorti la caillou et je dis on va traiter n'importe qui gens. Donald Trump à toute équipe campagne, qui veut cacher des bagages à la situation. L'étape difficile, il y a des compatriotes que nous connaissons qui vivent États-Unis là. Mon cher, vous te mettez à payer l'argent pour te déplacer, quitter Haïti pour aller aux États-Unis ou pas d'aller. Et je veux dire, autorité haïtienne, vous avez besoin de chercher support tout l'autre pays qui a des gens qui quittent la caillou, qui immigrent aux États-Unis d'Amérique pour prendre position contre ça. Même j'ai affaire contre la République dominicaine. Faut que vous fassiez tout contre les États-Unis. Parce que ce n'est pas possible pour traiter les gens comme ça. Ce n'est pas possible pour dire n'importe qui bagaille des gens sans vérification sous base campagne électorale. Campagne électorale, pas qu'à faire tout dénigrement.
campagne électorale pas cap faite dans des informations blaise. C'est difficile en pile là ça va privé, surtout un grand pays tant que les États-Unis d'Amérique. Gouvernement américain pas de prendre ça tant que son jette baisse façon. M'a regardé des événements dans une petite vidéo qui vient jeune moi et plusieurs amis partagent comment que une situation passée dans niveau Saint-Domingue. Pas oublier dernier temps ça a eu une chasse aux sorcières qui a fait contre Haïtien Saint-Domingue. Et agent immigration. Moi j'ai quelques côtés en règle ou pas en règle. Moi cher depuis Dominique Kwaza avo immigration Kwaza avo. Moi cher c'est bay tête chargée qui gagne. M'a regardé désir et un haïtien qui alors quel est plus haïtien qui monte sous bon immigration là gade yo. Ça m'a dit on pas connaissé mais qui a peine passé mais j'aime le vivre al sous réseau hein. L'état semblé c'est une action qui a peine passé. Dame haïtien qui c'est domaine yo que yo même qui gagne information ça qui vérifie OK t'a dit mais est-ce que ça qui a peine passé mais ça passé ces domaines côté que game n'importe 2 3 4 haïtien cap courir ma connais si négocier sous calaté courir monter pour aller cacher malgré ça immigration là derrière yo OK et puis immigration monter derrière yo gagne qui on qui a la vel mais gagne l'autre il yo pousse pour tomber sous docaille là et Jean yo pousse monsieur hein? Moi c'est certain désir nek ça va foutre pas moi ça va foutre ay ça va foutre pas mourir ay ça va foutre pas mourir il pas foutre pas mourir que je dis à l'en garder ça yo ou ka di me sauver lui mais un problème c'est normal ka on ay c'est toujours à vivre résider voyager aller dans l'autre pays mais en matière de respect droits humains droits moun faut que quel que soit le saint domaine quel que soit côté dans pays côté né faut gagner des dispositions qui prennent pour respecter les droits. Pas pour Haïti seulement, parce que je ne parle pas pour comme Haïti, je ne parle pas pour Haïti. Mais c'est quelque chose de nation que lié. Même les gens qui ont en contravention avec la loi, ce n'est pas un monde qui est en flagrant délit, qui a posé des actions criminelles, pour, comme si l'État, force légale réagit. Mais je pense que de façon que vous devez traiter ça. Mais je dis, ça c'est humiliant, c'est vexant, c'est décourageant. Parce que ou équipe bon volo, ou équipe bon assassin, krasé paysan, mette paysan dans salier là, qui fait que je dis, hein, m'a dit non, non, ou te ka toujours al Saint-Domingue. Mais pour jamais dernier temps ça yo, Luis Abinader a fait immigration maltraité haïtien, mon chè m'a kon sa k passe. En tout cas, décision de dire, désir, nous allons venir avec ancien DG, la police, non? Et bien que je connais tout avant, même en CDGA, la Kaola Siboni te gen mouvement, on vient avec nous. Comme ici, et sécurité, on est capable de venir avec Ramon et Marion Desol. Bon, parce que correct, Blaise, si nous faisons coup de pied dans la Siboni, pour nous garder, nous avons exigé l'autorité qui est dans l'État pour bailler la police en département de la Siboni pour mener opération contre gang yo cap bay problème et au loger doit être sous plusieurs responsables plusieurs personnes tankou et li fait jeudi qui c'est et commissaire municipal qui dans ville Gonaïve au loger doit et sous commissaire Philippe Giste yo dit qui démèche avec gang dans niveau département surtout gang Koko Atras yo loger doit bien long sous ancien sénateur Yuri La Tortue yo mandé pour qui ça la justice pas mettre moun sa hors d'état de nuit malgré divers rapports qui longe doit tout moun sa comme moun qui responsable de sécurité qui gagne dans département de situation. Ça me c'est vraiment intéressant parce que là yo et si je dis un peuple n'a décidé camper, décidé mobiliser, décidé quasi réagir d'une façon parce que yo dit tête yo faut que yo joigne sécurité, faut que yo mandé de moun qui mettait pays à dans salier là pour dégager coup mettre Jean-Jacques et permettre que gain la paix, gain sécurité qui rive ba qui rive établir dans pays hein. Nous croyons que c'est vraiment important des Ivenes pour que nous continuer garder ça parce que c'est vraiment important. Et n'a dit que des Ivenes et par rapport avec ça qui a passé là, nous qu'a dit que OK, on garde bien avec DG ancien DG la police Mario André Sol qui dit même qui vini qui clairement et parler sur question de sécurité hein, pendant ces temps que pour dire que ça mais comment que lui-même lui comprendre dossier ça mais comment que ça qui est pour avec dossier sécurité hein. C'est vrai il pas dit que son bagage au bon matin l'a capable résoudre mais moi même tout je dis ça que insécurité hein c'est un bagage qui est institutionnalisé c'est un bagage qui structuré et ceci dit et pour un bon matin n'a pas pour n'a pas le résoudre et ça fait nous dit que c'est volonté pour gagner et tout le monde qui connaît je dis à moi pas menti t'es de gagner un appel ouais t'es de gagner un appel qui fait avec deux monde qui connaît dans question sécurité dans pays
Premier Jimmy, des monde qui connaît dans cause sécurité dans pays, soit des anciens policiers, des anciens inspecteurs, des anciens commissaires, des anciens DG la police, des anciens colonels l'armée d'Haïti, des anciens militaires, des monde qu'on connaît qui doit qui dit tout, qui va dans mauvaise affaire avec groupe criminel, mais pour mettre tout chita ensemble pour bailler de stratégie idéaux pour nous comment que nous capable résoudre ça guerre là comme insécurité, parce que ça guerre là c'est Haïti qui a effondré. Même l'on part à Haïti, mais c'est Haïti qui a effondré. Elle dit, ou gagne intérêt pour que Haïti, bon, parce que je dis à regarder les gens, et bien je dis à seulement, regardez plusieurs années là, j'ai maltraité, matérialisé Haïtien, ça veut dire que nous avons intérêt pour nous travailler, parce que nous, je dis ça, journellement, il y a sécurité, il y a la paix dans le pays, il y a le développement dans le pays, il y a la richesse qui a créé dans le pays, ou bien un pile Haïtien pour aller à Haïti. Oui, on vient en pile Haïtien pour aller à Haïti. Ça a arrivé dans la joie de Ketio, il y a pris l'argent, il y a vu Haïti. Là, je suis clair sur ça, des Haïtien avec... a voyagé. Haïtien n'a pas parti, tant que j'en fais, je veux dire. Exactement. On a venu avec DG, ancien DG et Marion Desol. J'ai dit qu'il était accordé ou interview, ça fait quelques temps de cela, avec confrère nous, Wendell Théodore, de Radio Télémétropole, côté que DG, l'étape by compréhension parle de questions de sécurité, hein, de la police et l'armée, pour garder comment qu'ils sont capables de résoudre les questions de sécurité à des Ivenes. Taille et l'engagement et la Nations Unies, donc le paragraphe qui est article dans la résolution qui te dit, nous là pour assister, nous pour aider nous et autres sur le terrain. Vous comprenez? Mais c'est nous pour dire ça nous besoin. Donc, si on passe pour nous, si nous ne sommes pas de besoin, nous sommes capables de faire des résultats que nous débattons. Ok? Donc, ça veut dire que les Nations Unies n'est pas impliqué comme si nous avons directement fait opération pendant le moment pas maintenant. On voit bien la C'est avant. Pas sous où était intervenu une cité soleil? Non. On parlait sous arrêté de ville, mais il Non, pas sous moi. On va nous corriger ou bien on était là? On va nous corriger. On va nous corriger, ok. On va nous corriger. Moi, je suis venu, je n'ai pas quitté le policier à l'embarras encore, je n'ai pas allé à l'autre forme. Donc, ça veut dire que le problème, nous avons une approche de questions de sécurité à ce moment-là, et qui, à la longue, parle pour tes fruits. Il faut le débat résultat qu'il bail là. Il n'y a pas de bon temps de. Pas oublier tout, moi, je ne suis pas capable de te faire une équipe. À partir du président Préval, moi, je me fais un an. Pas oublier, je me fais un an comme intérimaire. Je n'ai pas de mandat. Mais c'est dans un an ça tout. Je me fais tout ça que je me fais en termes de prendre disposition qu'on a pour régler cette situation. Pas oublier, dans qui est institution. Ça, sont pas des intérêts pour me dire qu'il a fait point. Là, on fait comprendre qu'on a des Nations Unies qui ont back up la police à l'époque. C'est parce que, oui, tu as des gens responsables, moi, je là. Pour comprendre, des responsables de la police, qu'on aime d'abîmer les gens, mais dans quel sens je veux aller. C'est pour dire que je ne veux pas arrêter carrément au fond de la même. C'est ça, Haïtien, pas comprendre très souvent. Et pas blanc vient décider de faire des potes salariés. Il faut que même Haïtien connaît qui sont ouvrés, qu'on a quand on ouvre les rivets, et puis qu'on y a même, il n'y a pas accompagné, ou qu'on ne peut pas moi. Mais des fois, même, c'est pour faire un beaucoup de tout. Vous comprenez, malgré que là, parce que je suis que je prêt pour me faire ensemble de bagailles. Je dois faire des opérations d'envergure, je vais assez de monde, je faire appel avec eux. Si vous faites périmètre externe pour moi, l'altitude est bon, vous pouvez faire des bagailles. Mais pour signaler tout, en même temps, la présence était très dissuasive sur le terrain. Donc, bon, ok, nous avons profité de ça. Donc, c'est pas un samedi ouvert, justement, qu'on a pour nous déclarer sur la question. Vous comprenez? Donc, je dis la situation, ça lié, je dis. Mais avant de arriver ça, permettez-moi un petit moment. Vous avez dit dit là, et. Ou dit ou pas ouais perspective. L'aime des paroles ça c'est comme si m'a dit si moi gain moyen si m'gain cob dans poche moi si pas gain annonce qui fait que pas gain Kenyan et d'autres pays faut m'da faire malette même mal fait deux jours mal fait trois jours là-bas alors dit pas il y a pas de perspective là. Attendez moi m'a pas les prendre du technique. C'est ma technique. Ça veut dire réponse pour qui t'a bail avec ça qui a passé. Right? Depuis 5 ans comme ça. D'accord. Oui. Le dialogue de 2023. Mais détérioré. Bien gravé. Voilà. Donc ça veut dire, normalement, si tu as un bagage qui t'a fait, il t'a fait déjà. Vous pensez ça? L'homme de perspective, c'est ça. Ça veut dire, organisation réponse à ce qu'a fait là. Jean pour le planifier stratégique pour ta. Mon problème. Or, pour ça qui s'allie à lui-même, fondamentalement, communautaire, right? Donc, on va faire prévention. C'est prévenir, nous prévenons ces deux bagages pour ne pas faire. L'on pas fait prévention. Ça le barreau. Les bonnes situations, ça, ou bien tout le temps courir pour faire répression. Donc, pour crime pas commettre, donc, faut au moins maximiser ça, après les préventions. Ça veut dire,
quadriller ville là, mettre présence, faire mon groupe de police de côté, de façon à ce que bandien lui pose cette question, s'il fait ça qu'on y a le pied devant. Mais le baguette tout bagaille ça, je dis, c'est normal la facilité, émergence de l'activité criminelle, non c'est deux zones qui pas même accessibles qui pas accessible pour la police. Donc là on dit qu'il y a une faille quelque part. Non, disputant une cause insécurité en général, c'est déficit tactique la police. Donc là oui. Mm-hmm. Ça, moi-même, c'est une vie tactique la police. Ça veut dire qu'il s'allie prévention, anticipation. Mm-hmm. Avec prévention, anticipation, on ensemble un paquet de bagailles, la baby tout fait répression, ni elle fait opération. Classique. On dit par exemple, on y est là, on prend Delma, j'aime cadrer Delma. On cadre, bien cadrer. Et puis, alors, on prend Diamine, il faut bagaille là. Mais est-ce qu'on est effectif suffisamment pour ça? Parce que là, ils disent que c'est sous papier que la police a gagné 14 000. 13-14 000 monde. Quelque chose n'est pas de gens liés. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de capacité qu'on y a là pour mettre tout sous soi ensemble pour qu'on ait une stratégie pour le développer. Classique. Vous comprenez? Si j'ai trois machines, ok, avec trois machines, je vais faire maximum. Si j'ai deux machines, je vais faire maximum. Mais tout, il faut qu'on ait un contrôle aux sociaux. Ce n'est pas un contrôle. C'est normal, on a à gauche, à droite, et on n'a pas l'impression qu'il y a une cohésion dans la stratégie de sécurité que vous prenez. Donc ça veut dire, je vais tourner sur la prévention. Si vous présentez tout le temps, on sait de côté. Bon, ok, un bon exemple, même, je vais me dire. Vous pouvez être bim de côté. Vous pouvez être bim de tout côté, bim, paquet, pour ça. Pas de grand, vous êtes de côté, pas de grand, non? Je vais bim dans le SLN, bim dans le Cafou, El Loado, je vais bim de côté, pour que ça ne soit pas de grand, aucun époque ça. Pour que pourquoi ça me mette là? Simplement parce que si je quitte le vide, son bandit n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à exploiter, il passe là-dedans. Classique, c'est pas bien. Qui s'est créé dans ça, je veux dire? Néant? Bon, à la vérité, bon, mauvaise gestion peut-être. Sinon, il n'a pas répondu à la vocation des premiers. Parce que je me souviens quoi de tout tabac, je me suis plein de bim, je juste à Cafou, Cafou Djumbala, je me suis dans Cafou sans sec. Pourquoi ça me dégagne? Je me dégagne 300 motocyclettes avec deux policiers par motocyclette qu'on a mis dans la zone. Mais là, ça n'a pas de compte, c'est vrai. Mais si on continue là, si on continue là, il était comme ça tout. Parce qu'il y a bien contrôle. Donc là, c'est so, question de continuité que pas j'aime gagner. Non, pas de continuité, c'est ça. Pas de continuité, c'est ça. Donc ça veut dire, si vous ne faites pas prévention effectivement, vous êtes bien sûr, vous faites répression tout le temps. Donc c'est jour d'opération, et puis opération. Police pas qu'à tout, non, opération. Comprenez bien. Hein, c'est police qu'on fait. Oui, mais j'en ai là, non. Non, phase que nous y est là, je veux dire. Moi, je pense que nous venons déformer, là, tout. Parce que bien entendu, que ça le dit, nous perdons un paquet de momentum. T'es quoi, époque, nous t'es dit oui, pour le moment, nous avons résolu, nous même pour pas nous. C'est justement arrivé dans la phase, quand on crée une unité en dedans même, qui va prendre des entraînements spéciaux, si la première comme ça. De façon à ce qu'on a pour cadrer ces questions-là. Tant que ce qui est plus important, c'est que, on dit que c'est l'armée qui gouverne les territoires et autres. C'est effectivement qui s'allie. La police s'allie aux branches, même que dans le champ de sécurité à qui même est occupé. C'est ça l'appelé le champ de sécurité publique. Là. La sécurité publique, on a, c'est du ressort de la police. Qui s'allie, c'est menace traditionnelle, crime, kidnapping, courir des gens dans la justice. Okay? Mais menace de défense, yo, même, là, c'est ça qui a un rapport avec la sécurité nationale. Yo. Sécurité nationale, là, par exemple, ça veut dire que c'est atteinte à la souveraineté de l'État, un paquet de bagages comme si on partit dans un territoire qui est occupé par des éléments locaux ou étrangers, qu'une force armée qu'on a pas déloger pour l'État qui a occupé. Est-ce que là? Donc, ça, on a tombé dans ça de sécurité nationale. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de force de défense. Force de défense effective, c'est la mer pour entrer dans l'île de côte. Donc, ça, dit là, qu'on y a là, c'est que le problème qui pose aujourd'hui pour la police face avec lui, c'est le problème de sécurité nationale, qu'elle pas entraîné pour lui. Et que nous disons que c'est pour résoudre le problème. Qu'on va pouvoir le libérer. Ma réaction en tant qu'ancien officier de l'armée, aussi par rapport à la manifestation qui fait semaine dernière là, et Moun. La désir, bon, c'est que nous sommes capables de voir, comme si cette approche qui a fait de côté Maillon de Sol, et approche ça, c'est des approches qui les mêmes bon, qui techniques, j'ai envie de garder au désir. Bon, je crois que monsieur correct. Il parle des opérations d'envergure. Nous, s'il gagne une opération d'envergure, qu'il a fait dans la période qu'il a gagné et mission Nations Unies qui était là, il garde interne et externe. OK? Ça veut dire, pénétration en dedans, c'est la police qui a fait. Couverture sous dehors,
c'est moun ki vini en support. Elle dit en pile fois mais personne li kon décider pral mener des opérations eux pas même mettre au courant. Li juste aller parce qu'elle senti c'est li cap fait ça. Ancien DG a parlé des questions prévention. Si vous faites plus prévention, la mener dans une situation pour pas caler tout le temps dans opération. Et c'est ça que vient de dire. La police s'en contente d'elle, pour petit crac, petit crac, ils ont fait abandon, ils ont ensemble des commissariats, ils ont ensemble des postes, et automatiquement, que bandits automatiquement contrôlés. Vient jouer une légitimité que ministre justice et sécurité publique, là, le chef CSPN à l'époque, qui était d'accord, ils ont ensemble territoire perdu, ils ont dit qu'ils viennent rendre que situation beaucoup plus compliquée pour la police. Laisse ça, monsieur, t'as fait, et monsieur, t'as fait la police, hein. J'ai arrangé pour te gérer la question. Quand il y a dit, on garde les ressources qu'il y a. Si on a 3 machines, ok? Si on a 50 personnes, je mesure qui gens que m'a utilisé, laisse ça cap dire, mais qui résultat que m'a cajouen. Si on pas qu'à faire ça, c'est laisse ça ou un problème. Est-ce que je dis, la police a trouvé la situation, il n'y a pas de contrôle l'ensemble des ressources qu'elle a gagné. Quelles ressources humaines, quelles matérielles, quelles administratives? Moi, je ne connais pas. Il était avec moun qui a pas administré la police en jeudi, qui a dit qui s'allie, qui permet que pas de résultat, et qui j'en. Ok? Parce que yon pas de faire prévention. Yon vini rive dans un moment là, c'est opération qui vous le fait. Qui j'en pral allonger dans l'opération pour yon capable récupérer l'espace, après yon fini récupérer l'espace de l'espèce, pour yon rentrer dans le cadre de prévention. Et regardez, police, ça c'est une police communautaire. N'a pas d'accord. Police communautaire là, il doit sous ces police communautaire ou de présent dans communautaire pour développer une symbiose avec population. Exact. Mais malheureusement, absence là, il vient commettre un pile de dégâts les personnes. N'avancez pas deux. Dis-nous qu'il y a non réalité pas non, mais ça lié, mais qui type de force nous supposons gagner pour capable au moins bah nous ça nous a besoin en termes de sécurité et de défense. Vous d'accord? Donc moi je toujours prôner ça. Pour qui ça au moment donné dans ça n'y est là yo puisque l'armée en état à l'état embryonnaire au comprendre vous là la police a salié jodi là vous comprendre il pas bail résultat que nous on va dire que nous on fait bail gang pas adresser et bien pour que ça dans perspective pour changer constitution OK nous créer une seule force n'a brûler les forces haïtiennes de sécurité et de défense ou bien les forces haïtiennes de défense et de sécurité pour que ça défense c'est une qui sont l'armée, sécurité, par exemple, c'est la police. Ok, mais structure la police, ça joue un lien. Sauf que Kounia, ou pral prendre des directions, la retirer la donne Kounia, ou voyer le sous-côté de l'armée. Ça veut dire que le baou, direction frontière, par exemple, ou voyer par l'armée. Mais nèg l'armée, dans force, ça, nouvelle force là, qui parle ni PNH, qui parle ni la police, ni force armée d'Haïti, non? Donc, force ça, lui-même Kounia, là, il pral gagner des unités spécialisées en dedans, qui recevoir formation purement militaire. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de militaires, mais il y a tank, hélicoptère, tout ce qu'on a gagné. Force spéciale, anti-bombe, tout ce qu'on a gagné. Ok? Ça veut dire que c'est une unité spécialisée, ça y est. Cap caserne, cap gagne des problèmes qui pour adresser, c'est yo abrélé. La police a dit beaucoup de parle, la qui est structure gelière, et puis avec libéral occupé des questions de sécurité publique. Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a toujours besoin d'un état-major pour l'armée, en fait, pour... Pour force là. Pour force de défense. Pour comment on a force là. Tout le monde dit qu'on a force là. Mais sauf que qu'on y a, il faut faire avec les gens qui connaissent. Les gens qui ne comprennent pas le concept là qu'on y a, pas qu'à entrer dans le milieu de la fête. Parce que c'est pas un cap pour lier. Vous comprenez ce que vous Donc là, ça qu'on y a, ça va venir gagner, ou pas vous, aucun monde, ou pas qu'à aucune institution, non? Ou juste confusion. Mais confusion, il y a un coup. Coule pas rien qu'on y est là, puisque bon, ça me découle qui traverse l'institution, à toi à raison, il y a des bagages qui disent, et que il y a des policiers qui sont avec un gagne, nous prenons faire ça, ou le vetting. Donc pour entrer dans la nouvelle force de fusion, il faut certifier. Vous comprenez? Classique, c'est le schéma clair. Donc moi, je me dis, vous avez équipé le travail sur lui, ou madame, vous avez clair, pas aucun problème. Mais il faut faire avec nous qui connaissons. Est-ce que vous comprenez? Le Sakounia, sauf fait. Initiative ça, qui est-ce qui doit prendre? Le Premier ministre ou bien le prochain président? Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous pouvez. Soit vous créez Kounia là, pour résoudre le problème question, sur qui tutelle libale tombe Kounia là, ou créer au ministère de la Défense et de la Sécurité. Eh bien, il faut ça, vite en bas. Et ministère de la Justice? De la Défense et de la Sécurité. Donc, nous sortons en bas justice là? Oui.
ou vous êtes magistrat, ou vous mettez le bas intérieur, tout, vous n'avez pas eu de défense et de sécurité, ou vous êtes en bas et tu te l'as créé au ministère de la défense et de la sécurité. If you're. Aïe. Mais, Marie-Andrée, Abdé Kouati, qu'est-ce que tu dis? Blaise, pour qui ça? Je vous dis là, ensemble, vous avez une expertise, ça, qui passe dans la police. Il n'y a pas de servir comme mentor pour ne pas diriger là où c'est jeune Blaise. Yeah. Que ça va arranger pour gérer ça, hein? Ça. Monsieur tellement a bien déposé la blesse. Et le commencement intervention monsieur a lui montrer que c'est pas Nations Unies qui a dit mais qui ça la baou, c'est vous même qui connaît qui ça qu'au besoin. Nature son qu'au besoin, nature problème qu'au gagne, mais qui ça qui a besoin pour résoudre lui. C'est qu'elle me senti que autorité haïtienne n'a pas fait dans le moment qu'elle a parlé à la dans quatre missions multinationales la blesse personne. Parce que senti bagarre gaillé. Ou senti que vous sentez que ces pays qui ont décidé de nous saluer, vous mettez dans l'opinion, vous avez 400 personnes dans le pays, et les vous regardez au fond, vous avez ces 380. Vous avez 20 manqués. Maintenant, la situation a des gros conséquences, des gros impacts sur le travail que vous avez fait. Exactement. Bon, c'est une situation très, très difficile. Je pense que vous avez une place dans l'institution de la situation. Exactement. Et vous pensez que ça est faisable? Ah, pour moi, il faut faire avec vous, Nigone. Concept là, qui est un la fois où j'ai la gouna bosse, qui est un problème, c'est que mon odou, n'était pas avec un leader qui dit que oui, mais il m'a longtemps avec l'armée, l'autre qui a fait la police. Ça me dit non, parce que l'armée, l'ND là, avant 86 ou bien tout le temps, c'est que l'armée, c'est vrai, t'es gagné un chef police métropolitaine. Il n'y a pas de tout côté dans le pays. Il n'y a pas de tout comme en bleu, en pantalon bleu, chemise bleu pâle. Ou pas de tout côté, c'est seulement dans le pays. Au bout d'un moment, il n'y a pas de chef police sur tout le territoire. Oui. Ça, c'est l'autre bagaille lié. Mais tu connais une unité qui occupe de questions police dans l'armée? Eh bien, l'été. En province? Non, c'est comme en district. Oui, ou comme en district, mais. Ah, ok. C'est lui-même qui fait office de chef police, là, alors. Voilà, comme en district. Le district, c'est comme en district. Ça veut dire, mais, il n'y a pas de chef police, c'est comme en district. Ok. À Bipirol, il y a comme en département. Ok. Mais ça, c'est notre bain Abdou, là, même. C'est ça pour nous comprendre. Il y a ça pour nous comprendre. Parce que, il y a des gens qui ont un quotidien en périodiquette, qui va le faire même avec longtemps. Il va même longtemps à pied. Parce que, quand il y a la crosse, ça va le gagner. Une entité, ça va le gagner. Même si il y a 6 mois, 8 mois, 8 mois, dans la police, là, qui casent. C'est le besoin de relayer, les gars, mais tous les 6 mois, vous connaissez les galvaux des 6 mois, ils prennent un point fixe, vous allez camper dans la rue, vous n'avez pas de tout bagage, vous négociez là pour émettre, pour anti-émettre, vous comprenez? Vous n'avez pas de vous prendre le mélange, vous comprenez? Vous avez une tête en bas. Travail ça, c'est pour ta fête, vous avez besoin de moi pour réforme ça, ta fête, ou bien changement ça, s'il vous plaît? Vous n'avez pas besoin, une fois que les consacrés. La constitution, par exemple, dans la perspective et réforme constitutionnelle que nous avons parlé, depuis le consacré à la Nkounia, nous mettre le travail. C'est à mettre le travail, même quand nous travaillons sur le paquet de bail sur ça déjà. Et nous avons finalisé la question ensemble avec vous, et nous avons fait opposition. Même si nous avons encore, par exemple, tout ça qui nous crée au ministère de la Défense et de la Sécurité, et puis. Ou qui doit créer tout un conseil national de sécurité. Parce que dans ce cas de Kounia là, on peut reformater, ou du moins reconfigurer la gouvernance sécuritaire là en Haïti. Ou pas cacher dans une institution, ou pas de résultat depuis des années, et puis je dis, on peut reconcilier avec vous, et c'est ça en fait, on met en place. Donc conseil là, est-ce que d'a tout éliminer CSPN là? Ah non, qu'on y a CSPN là, où vient nous là, où vient une force de sécurité de défense là, avec donc qu'on y a CSPN par contre, vous comprenez? Vous comprenez là? Oui. Chef, en fait, premier ministre, ministre justice. Il y a pas, bon, nous d'accord qu'il y a bagarre pour nous comme si ça nous dans loi la police à qu'on y a pour moyen quand même, avec donc qu'on y a des bagarres qui nous pas jamais cité sur qu'on y a là, faut que vraiment qu'on y a vous mettez et correct, mais pas combattre avec la réalité. C'est comme ça que ça me passe. Dernièrement, tu as gagné une délégation kenyane. Comme... Bon, c'est vrai que parfois, on a une chance de parler avec le ministre culture et communication, qui en même temps, c'est ministre membre de la classe politique. Et il y a un besoin urgent de circuler, de pouvoir circuler d'abord. Aïe, c'est pas qu'à sauter là, comme si nous avons traversé une commune, non, je veux dire, alors que nous avons des dirigeants.
yon ma kon sa, fok li kapab adrese, fok nou kon sa kap di, sa kap fèt pou peyi an pal bon fòs ki pal vini. Ki sa lap vin fè? Ki sa lap vin fè? N'est-ce pas? Mwen pa se atan se liye, bon, y apè komunike pou ta ka di, sa pou di yo. Pase mwen... Mwen mèm dezir, sa mè se tire an konklusyon de kek sa André Soal di la, an CDG la polis, nan?